fin, nous sommes capables de dire au timon des affaires, comme premier ministre. Pour entre Jean-Li, son côté affable, sa jovialité, sa capacité à fédérer les gens, à les mettre ensemble, on est de bien, de pourquoi Zavel, pas de monde qui va bien avec médecin. Et puis subitement, il est arrivé à la primature, bénéficiant de la confiance du président de la République, Jovenel Moïse, et puis subitement, Nexa a laissé entraîner nos complots, comme si vous j'étais Jovenel. Mais est-ce que ce n'est pas dans la tête de Jovenel Moïse? Non, non, non. C'est la paranoïa. Non, je quand même. Je vais continuer. Je vais regarder l'histoire récente de la primature. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'ils ont donné le résultat? Et il y a un médecin allemand qui était par sa vie bien, qui est le syndrome du Brice. Oui, oui, oui. Mais quand tout est dit, Nietzsche, tout est dit, puisque tu parles de l'Allemagne, tout autour a gardé, tellement gardé à Bimna, Gonjou l'a fini par garder autour. C'est ce que disait Nietzsche. Mm. Bien, bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Parce que là, on dit une catastrophe, faut que c'est en termes de résultats. Catastrophe, c'est avec non. Son équipe, donc Georges Pierre et Pascal Adrien. Mamdou, pendant que nous, là, et commission, il faut que. Et le pays le sache pour que nous travaillions ensemble, pour nous chercher solution, faire ouverture, aller à la rencontre de la classe politique, de l'opposition, de frères comme Maître et René Julien. Oubliez, l'homme est à deux doigts. Julien. Maître Julien, vieux frère, non. Eh bien, ça crie ce qu'on est. N'est-ce pas, je vais piéger même pour baguer la foirée. Parce qu'ils avaient, ils manigançaient, maladroitement d'ailleurs, ils ont fait des tractations, ils ont fait complot pour jeter Jovenel. Il faut que le pays le sache. Qui est-ce qui t'a fait ça? Équipe C1 avec Georges Mi, Pascal et autres. Ça veut dire que vous êtes très mal placé. C'est des gens avec qui j'échange régulièrement. En dehors de leur capacité intellectuelle, mais ils étaient partie prenante d'un sale et vaste complot ourdi contre le président de la République. Et puis pendant ce temps, le président, monsieur, si c'est comme ça pour moi, président ou un président qui investit un citoyen, a priori, sérieux, ou mettez quatre doigts comme ça, avec des entre guillemets, c'est ça me dépense et tout, et puis que le complot a mariné pour créer l'obéi, créer des groupes politiques. Commotion politique, pays lock, manifestation, barricade, pour jeter Jovenel Moïse. Donc maintenant, on. Mais ça, c'était l'actif de l'opposition. Il y avait quand même une opposition. Non, mais le verre était d'abord dans le fruit, qui t'a prolongé. Et ces verres-là, excusez-moi, c'est une métaphore. Et mon frère, Joshmi, vous étiez ces verres-là, parce que nous t'es à prolonger le pouvoir de l'intérieur. Et qui pas bon, qui malsain, qui malhonnête. Donc, ou pas capable de jouer aujourd'hui, hein, comprendre qu'on cap vient parler de pouvoir, cap marqué pas, qui pas délivré, qui est déficit budgétaire. Non, mais vous étiez au timon. Qu'est-ce que tu vois? Vous étiez au commun. Ici 48, on dit qu'on aurait pu utiliser le déficit pour payer les professeurs, n'importe économiste, n'importe qui. Dans le pays, je termine. Capable. Non, non. Maintenant, au lieu que mon frère dit Erivo. Montrer, mais ça va faire déficit. Nous pas payer professeur, mais nous construisons lycée. Pour du Nord, mon ami, mon frère, ça m'écrit sous l'IA. Entre paranoïa et complot, dans ce toit, lis chapitre ça, mon frère. Et comme ça, tu auras la réponse. Difficulté de déficit budgétaire, vous avez raison. La situation est morose, elle est difficile. Donc vous admettez que la gestion se révèle pour le moins. Mais moi, depuis me lever un petit monde, quand il y a une situation, la question première et fondamentale que je me pose, qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Ça qui est responsable ça? Quelle est la source de tous ces malheurs qui affecte la République? On va le dire, c'est l'instabilité. L'obéi complot. Pourquoi un pays comme la République dominicaine, le tourisme représente. Moment, vérité. Près de 8% du PIB dominicain. La Caïmane TK, 12-15%.
Le tourisme représente 10% du PIB italien. Parce qu'ils ont la stabilité. Et malgré pandémie, l'industrie touristique commence à revitaliser. En Italie, au Portugal, dont le PIB, dont le secteur touristique représente également 10%. L'Espagne, c'est près de 12%. La Grèce, c'est 18%. Mais ce qui va faire tout ici, c'est là. Mais voilà. Qui ça? Avec Fata, ça, là. Qui est ça? Opposition pour Amas et Fata. Ami n'a même pas compris ce que je suis en train d'expliquer. Non, je opposition pour Amas et Fata. Opposition qui pour empêcher une construction anarchique qui continue de faire. Opposition qui fait que. Calmez-vous. Je veux dire là. Nous avons G9. C'est opposition qui fait. Je termine. C'est opposition qui fait. Je termine. On est sur les États-Unis. À Malakina, mais depuis n'importe la rétro fusée. Je termine. Je termine. Est-ce que c'est opposition qui vous mettez, sécurité dans le pays? Ce sont les crises politiques. Calmez-vous. On n'est pas en train de se chamailler. On finit parce qu'on va le faire. Et puis, c'est de vous tirer dans les pattes. Pas capable à déresponsabiliser au sein de monde qui a gaspillé l'argent de l'État. Et puis, on a la fin des mondes. Qui a demandé pour qu'effectivement, ils vivent dans le monde. Qui a demandé une édition de compte. Et puis, c'est pas responsable. Je termine. Pas possible. Dans ces conditions, les auditeurs et auditrices de Moment Vérité a dit, mais comment pour payer ça capable d'avancer lorsque toute la sainte journée, c'est l'obéi, c'est trop beau. Docteur Ivo, ça veut dire que ça nous fait arriver à COP déficit budgétaire. Nous sommes arrivés. C'est opposition, hein? C'est normal que la goudre dégringole et n'en déplaise à mes amis américains. Nous trouvons que notre sacré soutien est très malheureux parce que. Pendant que la situation de sécurité ici qui est réelle, mais nous pas plus insécure que dans les bas-fonds de New York. Tout simplement, l'insécurité ça nous gagne. Ou dans les ghettos. Ou dans les ghettos de Chicago. C'est différent ça gagne. Non. Nous avons l'insécurité d'État. Nous pas plus que nos situations. On invite à parler ensemble. Le salle pas instructif, il pas bénéfique. Non, c'est pas faire oui. Mais c'est pas que ça va pas le faire un dos. Non, ça l'insécurité criminelle que dit cette femme-là, c'est une insécurité d'État. Et les gommettes d'insécurité. Nous pas venir sur la problématique de sécurité. Oui. Pour dire que il faut que mes frères haïtiens, mes frères et sœurs haïtiens, ils comprennent la nécessité pour suspendre, tirer dans le patio, pour suspendre, créer atmosphère pourrie ça, qui fait justement nous dans la situation nous hier. Il faut que nous créions un climat de paix, de stabilité, pour que l'alternance démocratique règne dans ce pays, pour que toute la scène nous n'ont pas tant de complots à Marine et à Koussam soit dénoncé. Côté que même un monde qui font confiance, il met ton côté. Et pour avoir un travail, à mariner, à utiliser, faire flèche de tout bois, même le bois pour. Pour le moins, d'accord que. Puis on dit, mais mes amis, nous, ils sont chassants. On suspend créer l'obéi pour que nous aboutissions à ce fantasme que les transitions toute la semaine. Pour que ça, puis on dit que, on nous quitte démocratie, à faire qu'on normalise l'alternance démocratique. Comme ça, nous allons nous faire. Bon, conclure. Qu'est-ce qui s'est passé lors des élections présidentielles? Le fait qu'elle dit, qui montait, M. Abinader, Luis Abinader, mais ce n'est pas, voyez, Wash, ni du fait que mettez non. C'est des messages de félicitations, et des feux d'artifice qui ont illuminé le ciel de la République dominicaine. C'est pas coup d'état, toi, le faire bouler. Je pas dans l'ordre, écrasé, brisé, pays n'a pas avancé. Ndou touristes représentaient 7,9%, près de 8% de leur PIB. La caille moins, n'est qu'à 12, n'est qu'à 15, n'est qu'à 14.
mais pas qu'à gagner parce que c'est l'orbeille crise politique tout journée. Et c'est ça pour qui camper. Il faut arrêter l'hémorragie okay. Et faire politique ou l'autre gens. C'est la seule façon d'arrêter oui. L'hémorragie, c'est mettre dehors le régime criminel BHTK dans cette pays. Bon. Que ça simplifie. Et alors, Georges Montier voulait dire deux mots, mais je suis venu à mettre Julien. Très indigent, mon approche. Avec quelques nuances. M'a très rarement intervenu quand sénateur Rivo, l'homme objectif que je connais, okay, a essayé sous base, parce que moi j'ai des porte-parole toi à un certain moment. Non. C'est un ami que je connais qui a pile consistance, qui, je dis, hein, qui dans l'État depuis un bon bout de temps, ancien sénateur, ancien député, il connaît sa déficit budgétaire, je l'ai dit. Sous qui base, moi j'ai un pouvoir. Depuis janvier, nous avons le coronavirus. Maintenant, là, le peuple n'a pas sorti. Activité économique pratiquement à zéro. Les conséquences de COVID là. Cependant, dans le même moment, ça, je ne m'attendais qu'un chantier gouvernement entreprendre. Le gouvernement creuse déficit. Le gouvernement dit c'est stabilité politique, l'orbeille de l'opposition qui fait. PIB touriste va représenter 10, 12, 13% par rapport à la République dominicaine. Je dis à moi-même, comme citoyen, pour qui ça, je dis, pendant nous avons toute situation, ça yo, et puis, c'est dans le moment ça, 722%, c'est pas moi qui dis, c'est docteur Lalim qui dit, 722%, monsieur, augmentation de déficit budgétaire là, en un an. Maintenant, nous quittons. Non, ou pas répondre. Ou pas répondre, je dis. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Et qu'on y a, heureusement. Et ma réponse, je vais avancer. Heureusement. Je te laisse terminer. Heureusement. Heureusement. Jeune, yo. Moun belle fait ça. Moun qui soit disant en classe moyenne, yo comprennent le débat. Docteur Rivo, yo comprennent, je dis. On ne peut pas demander, m'a dit en créole, ou pas qu'à demander, je vous donne un calbasse. Au 8 août 2021, comme n'est-ce pas au pape là encore, nous tapons à 1200%. Bon, pas dire, écoutez, le brillant, là, et Josh Mi que je connais, on va subitement oublier qu'on fait addition. Donc c'est ça que fait, ou t'as mariné complot avec mon frère. Parce qu'on lit. Non, on n'a pas fait agitation. Eh ben, on est intellectuel, mais qu'on livre, me traite des questions, me cite non dans le livre là. Oui. Me cite non dans le livre là. Oui. Là, m'a parlé de un paranoïa et complot. Me dit comme ça, il y avait effectivement une structure qui était formée. Non, je vais dire la vérité. Où t'as baissé maquillé. Entre groupe professionnel parlait, qui travaille avec le président et un groupe qui travaille avec le premier ministre. Mais comme nous t'es dit, laissez-moi finir. Pendant nous avons réfléchi, nous avons fait des réunions conjointes, tantôt à la primature, tantôt au palais national, tantôt à la primature, tantôt au palais national. Et qui faut bien. Et on s'en qui proche président, et puis nous avons des radios qui dit la tête du premier ministre sur la table. Et puis les réunions crasées. Pas faire si fort, ça on connaît que pas dans ça. C'est frère mouillé, c'est okay? Ami mouillé. Donc, moi-même, je pense que je dis à Gemma qui est plus sérieux. Au-delà du temps. Le régime a échoué, mon frère. Nous devons comprendre ça. Pas mando pour admettre, non. Mais la population a commencé à admettre. Gomba Gay Cap Vini, sénateur Rivo. Ça Cap Vini, nous sommes capables de désamorcer pour faire en douceur. Ensemble. Mais si nous ne pas désamorcer, la Vini, et ça peut balayer ni où ni moins. Oui, ensemble. Ce que je pas souhaité. Non, attendez. Ensemble, on doit et on va le faire. Ça, d'accord avant. Bon. Situation compliquée, c'est ça que fait ensemble, Bounchita, pour avancer. Naturellement, l'on garde orientation politique en Haïti. Alors, d'une part, ou gen pouvoir là, Cap Goumen là pour mettre un CEP sous pied, dans perspective élection, opposition qui apparemment commencé à réunir pour dire non, il n'y aura pas d'élection avec Jovenel Moïse. Donc, est-ce que nous parlons d'un pacte, en visite de gouvernabilité, pour les 25 prochaines années, pour ne pas payer, il y a une autre orientation qui peut-être te amène nous vers stabilité, ça, que nous avons parlé de lui, que la République dominicaine a joué depuis de longues années, qui fait que je dis, l'industrie touristique là, représenter ça, représenter l'autre bord. Alors, M. Julien, pas trop aimé, mouvement à côté, on a voulu que tu entré dans certains silences. Mais, alors, M. Julien, moi, j'ai envie de dire, côté de aller, côté de aller. Bon, quand on peut aller, nous
nous marquons depuis 7 février 1986. Et nous arrivons, chaque jour, la situation est plus aggravée. Là, on attend docteur Rivo. Il dit vrai. On dit nous bien. Il dit vrai, mais il a un petit sens partisan. C'est comme si, et c'est politique la femme, plus ou moins d'accord avec lui, mais moi, je crois que les bagailles, docteur Rivo dit, qui sortit dans le fond, qu'elle reconnaît que nous avons une situation lamentable. Mais elle va aller endosser. Vous avez bien dit, c'est au pouvoir. Il faut le faire ou non. Ce qui dirige. Et vous connaissez, même pas ça au pays, tout le temps, moment vérité gagné, et même pas, il n'y a toujours pas l'air. Ça veut dire que si toute existence, nous, c'est même bagaille, au moment, nous qui sommes dans l'opposition, une situation qui chavire le pouvoir, il ne comprend pas la bagaille, il y a une lutte, nous qui au pouvoir lui-même, il a pour le Kembe là, ou qui ça fait ça, c'est parce que tout le monde a goûté pour affaire personnelle. Mais au monde qui a goûté pour le pays, pour le peuple, dans l'état peuple, ça est là, on a qui est pour faire quoi? C'est avec le droit. Oui. Alors, c'est John Locke qui dit le gouvernement n'existe que pour être au service des dirigés. Sinon, chaque citoyen est capable de vivre avec ressources personnelles, sans ne pas avoir besoin d'entrer dans une structure qui est l'État, qui a pour mission de faire citer à avancer. Ça, c'est politique là. Mais nous-mêmes, nous oublions le droit ici. Et comme si n'a fait politique en dehors du droit. De quoi faire politique en dehors du droit, c'est moi qui ai tiré coup de poing avec Peggy. Tout le monde qui a tiré coup de poing parce que tout le monde veut se mettre bagarre là à bon côté. Si tu as fait politique en dehors du droit, je crois que 99% des gens qui veulent président là, pas d'après président. Si tu as fait politique en fonction de sa morale politique, en fonction de sa éthique, en fonction de comment pour vivre à un monde. C'est la loi qui va pour vivre à un monde. C'est la loi qui va pour comment pour vivre à un monde. Donc, je dis à si nous avons besoin de suspendre parler, si nous avons besoin de suspendre faire discussion, ça y est, qui mette un peuple, je dis à un pays ganté. Ah, bagaille grave. Je dis à tout bagaille, ça y est. Pourquoi ça y est, pas voulu parler de l'IA et dans l'Ipounalé. Il faut repenser. L'homme haïtien repense le non-sens citoyen responsable. Ça nous pas voulait faire. Et comme toutes les raisons, on peut parler de violence qui gagne. Mais violence, c'est dans un individu s'arrêter. Dans un citoyen qui prépare, c'est pays l'a gardé. On garde tout pays l'état du droit. Ou après, on n'a pas gardé tête li, hein. L'a gardé pays. L'homme n'a pas parlé dans ce circonstance comme sous Santinègre là, il y a un petit bagage. Parle la défendre, c'est pas facile pour parler dans le monde comme ça en Haïti, puisque c'est ça, oui. N'est qu'à parler de bagailles pour tout le monde, ils marginalisent, ils relèguent à l'arrière-plan. Donc, il y a plusieurs mais qu'on est comme ça. Donc, mais là, m'a analysé bagaille là, pendant parler avec Marcel Matin, hein. Moi, je prends une note, mais tout, pendant que docteur il voit parler là. Et mon parti, où est-ce que vous avez un docteur Rivo qui est au service du droit, qui a parlé pour le droit dans le pays? Si jeune, ça a parlé l'autre bois. Où est-ce que vous parlé pour le droit? Nous tous, soit nous voulons parler pour un monde, soit nous voulons parler pour un bagage. Nous n'avons pas fait pays à ça. Je dis à côté du droit, mettez là, et puis nous avons que nous avons l'autre pays. Comment le jeudi à un monde David dit que. Peut-être répond, docteur Rivo. Un monde qui assume l'État. Mais on compte qui ça le tient. Si on assume l'État, par contre, qui l'État a pris, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que le choix a été mal fait. Puisque, ou pas jouer nos États de droit, un monde qui choisit un monde pour ne pas gagner un bagage, les chita sous lui. Nous, même toutefois, nous faisons ce qui ça nous chita. Donc, même quoi, papa parle, il va me tirer un pile de leçon tout dans sa cap dit là. Même quoi, gagner un moment qui est là, il faut que nous repensions les hommes dans le sens des normes. Il faut que nous repensions les hommes dans le sens des normes. Si vous voulez changer, monsieur, dans le sens pas au foutu, vous mettez après, t'es là tout le temps. Et l'autre bagaille encore, c'est repenser la logique, repenser
la logique du pouvoir en privilégiant les normes. Je ne sais pas, je dis, il y a tel monde passé, mon affaire. Qui ça crase Téléco? Qui ça crase Télé Haïti? Téléco? Qui ça crase l'électricité d'Haïti? Gardez pour toute institution dans le pays pour qui ça crase. C'est anarchiquement, oui. Et si vous voulez tomber dans une situation anarchique, vous n'avez pas qu'à. Mais l'institution, ou faire référence à la loi, dans tout ce qu'on a fait, longtemps, embaucher un technicien dans Téléco, ce n'est pas trans, non? Longtemps, embaucher un technicien. Nos administrations, l'État, ce n'est pas trans, non? Je me conseille des gens même qui étaient dans la faculté de droit avec moi. C'est composé, à le composer, et puis il y a élu. Ce n'est pas un jour, et toi, n'importe quoi, il vient de prendre place, on l'a pris chita, et puis vous comprenez que ça va marcher bien. Donc, même penser que, monsieur, c'est Timo Samdi qui a mettez, c'est repenser les hommes, c'est repenser les hommes en fonction des normes, c'est repenser pouvoir. En privilégiant les normes. Et puis, après, si nous avons un bon pays, qui est la paix, pays peut-être, le docteur Rivo a pas de moment. Vérité. Oui, maintenant, moi-même, par rapport à la question qu'on t'a posée, moi, bien content que M. Julien fait pour ça. Effectivement, si nous te fongeons pour que ne serait-ce qu'à 50% de normes aient été arrêtées, bien de côté dérive l'arrivée, je dis, elle n'est pas privée. Ça, moi, je suis convaincu de lire, je pense, dans le sens où dit là, il faut nous venir là. Mais par rapport à côté de Nia, et jodi an, et Peggy, le 26 mai 2020, équipe jeune qui a réfléchi au niveau de tout moi-même, Pascal, nous dit bah l'argent bah là est là, Kachapi qui a préparé, mais qui a préparé cocktail Molotov, qui date 26 mai 2020. Ah, ok. Ok, nous nous dit Jean Balan est là, quel que soit jeune viril, quelle que soit compréhension qu'on a de régime PHTK. Quelle que soit la compréhension de l'opposition, quelle que soit la compréhension du secteur privé, quelle que soit la compréhension de jeunes qui décident, qui parcourent dans le pays encore, si pas gagné, on sort de conscience qui prend que nous, hécatombe qui a venu, eh bien, c'est ces ouap, ces ouap, tout le monde a mouru, puis il a dit qu'il n'y a pas de nouveauté qui a évité ça. C'est pour ça nous-mêmes. Parce que dans la politique, oui, moi, j'ai un déficit budgétaire. Là. Oui, moi, j'ai dit pouvoir pas faire rien. Oui, moi, j'ai pointé du doigt, moi, j'ai des positions faibles. Mais je vous dis, je ne pas souhaité, 1er octobre, le pays a rebloqué encore, sous base de crise économique, crise socio-économique, si nous perdons une deuxième année. Je ne pas souhaité ça. Mais pendant que je ne souhaité ça, tout, il faut que les gens qui sont dans l'État comprennent que. Responsabilité, ce n'est pas mettre gaz sous du feu. Hein. Parce que, monsieur Jodian, nous parlons d'un accord global. Jodian, j'en paye un yen. Si on a dans l'État, ça, bon, conscient qu'on a un dollar ou pas qu'à ou pas qu'à même qu'un B on prix pendant deux jours. Jodian, BRH, ministère de l'économie et des finances, exécutif, là, tout le monde est d'accord que. Il n'y a pas quand même pas ici un défi ça et puis au level. Puis on dit bon, on a fait de l'affaire et 48 heures avec au même taux. Et puis on a nous dit nous allons aller pour quoi nous pas décider de camper pour nous parler avec pays, pour nous parler yon a l'autre. Moi-même avec Pascal Adrien avec et différents groupes jeunes qui viennent dans tout le monde, nous proposer depuis 26 mai un accord global. Et nous avons 5 éléments là-dedans. Puis on nous dit c'est le plan de 25 ans. Jodi, mon frère Erivo capable d'admettre lui. Le président Jovenel, le président Jovenel Moïse, puis Gouy Chetli, président propre initiative, lui, caravane changement. Mais pour qui ça caravane changement? Nous songez sous président Martelly, c'était lampadaire. C'est parce que ça crivait dans le pays. Chaque nègre qui est élu président, le nègre l'arrivé, par une série de chantiers prioritaires que le pays entend sous yo, qui veut dire tout nègre qui s'est improvisé pour qu'il y ait un gol pendant 5 ans. Jodi, faut que nous rendons à l'évidence que nous avons besoin d'un plan de 25 ans sous l'INAP entendre sous grande priorité yo, pour que qu'on a laissé frère Merivo qui vient président. Monsieur qu'on est sur la question d'infrastructure sanitaire, pays a décidé déjà, mais qui modèle l'hôpital nous besoin, mais qui modèle centre de santé nous besoin, mais qui professionnel médical nous besoin. Sur la question de l'éducation, mais qui modèle. Mais là, nous pas entendre nous sous grande priorité ça. Et puis je dis, hein, je suis étonné que moi, exécutif l'a dit. Comme nous avons l'argent, nous avons la machine de l'État, nous avons les forces répressives avec nous, eh bien,
nous pas besoin personne moun parler dans oreille nous n'a pas avancé droit au but pendant que monsieur tout moun ouè clair nous pral nan muan machine pral krasa avec nous tout a mouri et puis moun ki soit disant sous volant dit m'a fait nous quitter fréquent m'a krasé le même pour nous pas jeune machine pour nous li. Moi même moi pense que c'est ça qui fait toujours faire appel à cette majorité ces jeunes là qui sont à bout moi dis yo bon bagaille n'a chercher là moun sak la pas ka ban nous on nous fait transcendance là on nous accomplit mission historique nous parce que si nous pas fait rien par rapport à ça là machine pral nan mien la prend du feu c'est vrai ou même qui chauffeur il a boulé oui mais nous même tout comme passagers on fait nous ouais question électorale là faut entrer là-dedans et avant question électorale là bon c'était la parole Peggy oui famille Lavalas bon faut t'a fait vraiment 2 minutes famille Lavalas 2 minutes après et puis pour nous parce que je dis l'organisation politique Famille Lavalas accompagnée d'autres secteurs et de la vie nationale sous recommandation de la population, hein, quoi que faut que nous définissions et on route ensemble pour que effectivement et nous orientions la société vers le nouveau système que la pandémie. Mais vu les autres parler de violence tout à l'heure, sociologiquement, la frustration engendre la violence. Ouais. Et il y a des zones où on n'a pas passé avec une machine, par exemple, c'est ma machine. On n'a pas de problème avant. Mais on n'a pas mangé le matin, on n'a pas mangé le bon café, on n'a pas battu là avec cette machine. Il considère ça agressé ou agressé. Oui, il n'a pas gagné avant. Et maintenant, mais qui est différent de viol, de insécurité criminelle grandissante qui gagne dans différentes catégories populaires là, qui c'est un bagage qui montait même par le régime criminel de l'Achita. Et bon bagage qui va continuer à suivre, car avant de démarrer dans la Tibonite, premier gang qui commence à semer la terre en de pays, la Tibonite. Ouais, ça veut dire que qui finit gagner aujourd'hui, côté ouais, et les gens qui ont gros enfants de Fanamé, et ils prennent la rue de l'autre. Demain matin, il doit dire bloqué et puis cette là pas gagne mon café chez. Après demain, il dit fait pas gagne mon café chez. Ouais. Et après et gros bagage qui passe dans semaine ça là, c'est le ambassade ça et font sortir pour montrer que il gagne bagage fait dans pays là qui pas qui doit faire. Ouais, pouvoir pas jamais réagir. Sur tout ça qui passe dans pays à pouvoir un jour fois. Il va réagir sur jeune ambassade que je prends massacre la Saline, massacre Kafoufe, etc. Pouvoir pas réagir. Et comprendre si mon 8 mois qui mourir dans cette soleil là, ça va pas réagir sur ça, 4 mois, etc. Mais automatiquement, ouais, colon a parlé, esclave mental, réagit. Ça prouve que bataille pour décolonisation mentale là, il faut qu'il renforce le pays. Là, parce que, mais ça qui passe, le système ça, il y a des embranchements. Il y a des embranchements nationaux. Il y a des embauchements internationaux. C'est ça qui fait moi-même quoi que, en plus, on a une bataille. Nous disons, oh, faut abattre la corruption, faut que nous venions l'argent au Caribe, l'argent CRH. Nous ne pas même compte qui nous a demandé l'argent. Des gens nous pas à penser, des groupes, des films nous pas à penser. Ils ont même tout, ils ont participé à la dilapidation de la Caribe. Et là, on a une approche géopolitique et géostratégique qui nous fait des questions. Ça. À chaque fois, il y a des pays qui choisissent d'aider Haïti, non façon bien, non l'autre. Mais l'Occident, mis à part les transnationaux, il y a toujours une position pour gaspiller le fonds, pour gaspiller l'aide, ça, pour effectivement, le monde va comprendre que mon cher, c'est là. Maintenant, ça, nous vivons dans une situation aujourd'hui, côté que, et, quand le monde veut le coupable, nous ne pouvons pas payer à continuer comme ça. Quand veut le coupable, quand le monde veut le coupable, le pays n'a pas continuer comme ça. Et c'est la raison, ça, tout qui finit fait que, l'organisation politique Famille Lavalas, c'est d'avoir initié la violence. Pour te permettre à ce que, ensemble acteurs dans la vie nationale, plus précisément, les gens qui parlent le même côté, parce qu'en pile fois, nous sommes en opposition, nous ne parlons pas le même côté. Par contre, si M. Julien est d'accord avec nous, nous sommes en opposition, nous ne parlons pas le même côté. Ouais, nous pas où est pays à même gens, nous pas où est revendication peuple à même gens. Mais, peuple a dit, tout le monde qui parle le même côté avec lui, ensemble revendication, qui ont mis tête ensemble. Maintenant, le dialogue a initié, on première note qui sorti, et le dialogue a continué. Pour que effectivement, et nous joignons un consensus là, pour permettre à ce que nous ne continuions pas à créer les transitions.
Et d'accord, M. Julien, pour que effectivement nous fait, nous construisons l'État qui chita sous loi. La loi. Et je dis à là, l'exécutif, pouvoir régime criminel PHTK, ou après, il n'y a pas rien pour la loi. Anarchie totale. Total capital. Mais est-ce que nous sommes capables de quitter une société continue à développer comme ça? Mais c'est descendre, descendre. Comment vous voulez le coupable? C'est descendre, descendre. Approche vous faites économique, chiffre vin avec là. Ça prouvait que le pays a descendu. Mais je veux dire, là où il pour monter Pétionville, mais il y a des zones où je vais comme ça là. Très prochainement, je vais passer là-dedans. Même non. Combien de nous là qui passé bicentenaire il y a une semaine? Combien de nous là qui passé Cité Soleil il y a deux semaines, trois semaines? Ou pas capable? On peut pas passer. Mais est-ce que nous sommes capables de vivre nos pays côté que nous concentrer quoi nous, notre espace et puis nous quitter tout respect à abandonner. Mais tout pays a abandonné. Moi-même, je sais qui fait province en pile. Mais là, il fait province. Ouais, pays a abandonné. Pays a abandonné. Moun yo, yo pas qu'à faire agriculture. Yo pas gagné de l'eau, pas gagné. Mais je veux dire, là, gros phénomène, voler bœuf dans les organes. Tout va être terrible. Mais est-ce que nous sommes capables de quitter ton pays comme ça? Déjà, bon, on a dit, nous avons la police, nous avons dit, nous... mais c'est pas possible. Ça fait nous quoi que, je veux dire, régime criminel PHTK fait payer tout mal de pour faire déjà. Maintenant, il revient aux acteurs politiques pour que je offre la société à en sortie. Pour permettre à ce que, ou pas gagner un monde comme Michel Martelly qui retourne dans tête l'État encore. Ou pas gagner un usurpateur comme Jovenel Moïse qui retourne dans tête l'État encore. Ce n'est pas possible. Qui pays qui tape d'accord avec volétique? Ou pas ça force tape d'accord avec ça? Ou pas les États-Unis tape d'accord avec ça? Mais ils vont nous là. Ils organisent le coup d'état électoral pour nous. Okay. Et ils continuent à investir pour que ces mêmes catégories de ça, même colonisé mental, ça, ils arrivent à mettre au pouvoir parce que pour l'application plan néolibéral, c'est femmes qui ont besoin. Même. Mais fuck, nous-mêmes qui disons tête, nous comprenons, nous connaissons, nous aimons le pays, nous sommes patriotes, nous sommes des convictions, il faut que nous offrions le pays, on sortit. Et c'est peut-être ça, et la Thérèse a continué. Pour qu'effectivement, nous arrivions à préparer une transition qui prenne une transition de rupture, refondatrice, reformatrice, pour permettre à ce que, une dernière fois, eh ben, nous, et permettre à ce que le pays a sorti d'un système ça, qui chita sous exclusion sociale, sous impunité, sous crime organisé, sous fédération des gangs, pour permettre à ce que c'est pas bon. On a un sénateur, il veut moi qui baille un tiri jaune, le palais de transition, moi baille un tiri jaune. À chaque fois que j'entends ce mot, j'ai des migraines. Mon papa s'est avancé vers ça, effectivement. Non, pas du tout. Pas que baille comme ça, pièce. J'ai des migraines, mais surtout de la nausée. Ah bon? Ou de lire la nausée de Sartre. Et mon courage au lire. Bon, bref. Et M. Julien. Donc, vous croyez que nous avons une élection à la fin de l'année? Passage obligé. À la fin de l'année? Non. M'a mettre qui l'est. Même dit. Donc il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et j'irai même plus loin pour dire que, comme vous posez question directement avant que je prenne la parole, que je me sollicite, le successeur du président Jovenel Moïse sortira des urnes. Ok. Le successeur du président Jovenel Moïse sortira des urnes. C'est qui est-ce qui va garantir ça? On va aller. Oh, on va faire ça. Parce que je m'appelle Jonti Baye pour là. On va donner la machine. Je suis. Mais... Mais Julien, chaque fois que j'ai une chance pour me dire, mon frère, que ce soit de n'a pas ensemble ou bien publiquement, nous toujours apprécier ça, Jésus, et le fait que son est esclave de la loi. J'étais même plus loin pour me dire que, dans ces deux mondes qui n'ont eu l'espace de pouvoir, pendant le temps que je fais politique là, mais Julien était capable plus performant que yo. Et vous savez, je vous propose. Au moins, il était une justice. Mais moi, je vais proposer tête tout. Pourquoi on est capable de utile de l'autre côté? Donc, ce n'est pas ça. On ne se propose pas et on ne propose pas. Vous êtes capable de suggérer en fonction de l'analyse qu'on fait, en fonction de ce qu'on a représenté comme consistance, comme substance, comme sérieux. Mais quand on arrive, ce n'est pas vous qui allez signer pour la personne. Oui, et un jour, lorsque moi-même, je vais vous commander, si M. Julien vivant, ou après, signer pour lui. Pour un poste quelconque. Donc, c'est quoi ça? Ce n'est pas ce que vous me dites que. On est certain que mon cap remplacer Jovenel Moïse dans l'élection. Ah oui, il va sortir des urnes. Ou signer des urnes. Pour qui ça fait? Mais écoutez, il n'y a pas qu'à l'autre. Ok, mon vérité enregistrée. Sinon, oui,
doit sortir des urnes. Et il va sortir des urnes. Parce que Fongo côté nous arriver, nous casser cette spirale infernale de recommencer, de l'éternel recommencement. Toute la Saint-Journée l'obéit, on revient à la case départ. Et les gens qui veulent le beurre de la transition et l'argent de la transition, et puis pour retourner là-dedans parce qu'ils en sont trop friands. C'est pas normal. Moi-même, M. Julien, pour qui ça fait ça? Au combat avec Odila, que Notel d'ailleurs, mais qui s'est magnifiquement dit, repenser les hommes dans le sens des normes. Mm-hmm. C'est ça qui a besoin, justement. Pour me prisonnier des principes républicains. Mm-hmm. Pour que m'esclave de la Constitution, des lois de la République. Pour me dire que c'est alternance démocratique que le pays a besoin. Mm-hmm. Que c'est avec une seule nuance, M. Julien, ou M. Lamba ne dépend de personne. Je suis venu défendre les principes sacramentel de la prise du pouvoir dans mon pays, côté que c'est par les élections, et m'aller plus loin pour me dire que c'est nous qui devons le faire ensemble. M'a même copé pour une approche manichéenne, vieux frère Joshmi qui malheureusement pas carité, pour me dire Mounsayo, pour me répéter, Mounsayo, soi-disant qui là, ou bien qui était là à un certain moment de la durée, il n'y a pas de place. Non, nous tous déplaçons. C'est approche manichéenne, ça qui, excusez-moi, qui fout nous dans le trou, nous, hier. Le fait que je ne voulais pas être plus beau garçon que l'autre qui des dos et rideaux. C'est pas vrai, c'est archi faux. Il y a du bon, du sérieux, du consistant que nous sommes capables de tirer de tout le monde, quel que soit secteur politique et appartenu. Un seul bagage pour nous faire, M. Julien. Raila, Frimna, Kadla, ce cadre de la rédemption que Mrilil, pour nous définir ensemble, pour nous dire, un, mais comment on a privé nos, et prend pouvoir, tout coup, ça fait là, l'autre bon frontière, mes amis, ça fait mal, oui. Pour moi, comment Dominique n'a pas avancé, vous comprenez, ça fait plus de 30 ans depuis que le pays n'a pas avancé, ou pas, j'aime pas des gonds chirépites. Et pourtant, il y a plusieurs partis politiques. Ou après que mon président qui est élu a ses félicitations, le recevra de l'autre, oui, pas des barricades, pas des chirépites, pas des pays l'autre. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce frame, ces rails, c'est ensemble que nous devons les mettre en place. Mais go côté pour ça commencer. Côté pour le commencer, hein, c'est pour nous dire que ces pratiques rétrogrades de rupture démocratie dans le pays, de l'obéir toute la scène journée, de attaquer et tenter détruire personnalité monde, pas voir attaquer, mais voir ici, c'est ça pour nous camper sur lui. Les autres me disent, je fais une belle approche. N'a pas traversé une situation difficile, on en est conscient. Le pouvoir en est conscient. Mais qui dit, nous, l'autre dit, Mounsayo. Ça veut dire, là. Ça veut dire, à un certain moment de la durée, les gens disent, Mounsayo, et je suis parti prenant. Mais en tout rentrer dans la question électorale, là, que c'est demain, que c'est dans six mois, que c'est dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, il faut faire élection quand même. Il faut faire élection. Maintenant, ou pensez que le n'a pas gardé réalité, hein? Ou pas qu'à faire élection sans les partis politiques. Vous pensez que... Dieu merci, non. Dieu merci, non. Ah oui. Oui, tout à fait. Mais là, on a regardé l'opposition qui peu à peu a organisé pour dire non à la question électorale là. Est-ce qu'on ne peut pas penser même communauté internationale là, parfois l'immodeler position tout en fonction de réalité souterrain. Ça veut dire qu'il y a oui pour élection, et puis le regarder en jeu, et puis lui-même encore, lui changer de position. Moi même approche. Parce que soit bayon ou soit zomba là qui fort et m'tan vi mandé que enregistré à savoir le successeur du président Jovenel Moïse sera issu des urnes. Oui, sortira des urnes. C'est fort, mais ça ne dépend pas de vous même. Non, il dépend de tout le monde qui ouais pays qui voulait que nous suspendons avec l'obéi toute la Sainte Journée avec des autres groupes politiques, avec coup d'état, avec transition. Et moi-même, vous dire, il vous m'écrit que la vraie transition, c'est dans le cerveau de certains de nos compatriotes que cela doit s'opérer. Mon doit se faire. Vraie transition, hein, c'est dans le cerveau pour le faire. Ok, en nous attendant, ça veut dire quoi? Pas qu'aucun monde, Peggy Jean, qui doit extraire de s'amréler la dynamique irréversible de la prise du pouvoir par les élections.
Mais si n'accepte pas fonctionner comme ça comme société. Ah non, mon cher, tout le on regarde en insécurité, on regarde grand gourant. Parce que je dis, en chaque jour, là, j'en sortis dans poche citoyen, yo, en termes de dévaluation. Mais bien sûr. OK, il y a 5 ans, sortez carré glace à 50 000 gouttes, je dis assez. Faut que peut-être. Oui, absolument. Donc, on est en situation extrêmement difficile. Et que pourrait-il se passer? Si. Non, ça veut dire que c'est pas ça n'a pas lié à quoi t'as fait. Non, attendez, non. Si nous regardons ça dans le niveau, non, ça. Non, on va finir. Si que Haïtien pas entré dans le moule, n'a pas lié là, dans le frame, n'a pas lié là, dans le cadre logique, prise pouvoir par les élections, le pire est à venir. C'est la descente aux enfers. Bon. Capable de continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons entendre nous. Et qui est-ce? Attendez. Yon, qui est-ce ou quoi qui est? Yon projet de société, et ça, c'est ça qui me regrette que Josh m'y allait, il a parfaitement raison de le dire, sous 25 ans ou bien 20 ans, qu'on est ou 30 ans, pour que nous dit voilà. Yon président qui monte, il fait 5 ans, il n'est pas jamais capable de régler tout problème pays. D'ailleurs, il hérite, et il pas quitter le travail. Le président, il ne pas quitter le travail, comme ça. Il prend deux coups d'État. Deuxième bagaille. Deuxième bagaille encore. Deuxième bagaille encore. Deuxième bagaille. Deuxième bagaille. Nous payons pas d'accord ça avant, non? En pour niveau président, pour ça, les Haïtiens, nous payons pas d'accord ça avant, non? C'est pas de ça à parler. Nous planons. Gardez construction lycée. Gardez construction l'école nationale. Laboratoire national qui gagne. Nous planons plus loin. Et là, ça te gagne 11 milliards. Oui, nous planons plus loin que ça. Gardez tout le monde qui gagne dans le monde, là, il va faire rien. Et pour une météo, pas quitter le travail. Et Peggy, des élections reflétant. Nous disons pas le travail. Mais qui des élections qui, ça le fait, qui hein? seront le reflet du choix de la majorité. Pas d'élection avec régime Grenelle. D'accord. Il y a un monde qui aspire pour venir aux commandes, pour venir président. Pour capable dans 51e, 52e, 53e, 54e, 57e. Législature. Wow. Pas que ça. Quel tintamarre. Pas que ça. C'est là ça. Où qu'il faut aller faire ça. C'est là pas ça. Où qu'il faut aller faire ça. Ouais, c'est pas même ça. C'est un problème. Pas d'élection avec inculpé Jovenel Moïse. Il déraillé. Pas d'élection avec régime criminel PHTK. Pas que ça. Parce que moun ka parle l'élection là. D'ailleurs, on pas fait élection. Yo tellement qu'on pas fait élection, ouais, c'est gagne yo moutan de pays là. Pour terroriser population. Des élections. Gagne yo moutan dans quartier populaire pour on n'évite pas l'ensemble. On n'évite pas l'ensemble. Non, c'est non que n'est pas possible. Non, pas de problème. Non, mais faut pas l'ensemble non pas bon. Non, il pas pourtant rien. Il ne va pas l'ensemble. Des élections que gagne syndicaliste de Mac Pierre qui fait une intervention. Oui, m'a fini oui. Sur un incident privé dans entreprise etc. Oui, tout à l'heure. La police m'a fini. Bon, oui. M'a fini Peggy. On dit que élection qu'a gagne pour refléter le choix du peuple haïtien. Moun kap gagne pour président, c'est dans l'élection la sorti. Moun kap gagne pour vin occuper espace dans la collectivité territoriale. Yo. Ah, faut-il répondre pour moi? Faut-il répondre pour moi? Faut-il répondre? Non, mais ça, tu mets ton bémol. Faut-il répondre? Non, pas que bémol. Non, mais bémol. Il tape bon, il tape bon. Il tape bon, il tape réaliste. De tout temps, on toujours a fait promotion de la prise du pouvoir par les urnes. Et me condamner pour me toujours défendre. Je toujours compte le fait que toute la sainte journée, on sait de monde, c'est râler comme un médecin. Il va avoir. Il faut respecter l'alternance démocratique. Il faut respecter le choix de la majorité. Il faut respecter le choix du peuple. Maintenant, mais qui ça me dit? Nous avons un cap pour le président. Nous avons un cap gagné pour la 51e, 52e, 53e, 54e, 55e législature. C'est dans l'élection qui a passé. Mon cap gagné pour la collectivité territoriale, dans l'élection. Et c'est à partir de ce moment-là. Ouais, sauf que nous ne savons pas qui l'élection, ça a fait. Non, pour écoutez, de toute façon, il a fait. Bon. Et c'est ça que fait. Mais il a fait dans 50 ans. Attendez, non. C'est ça. Mais il pas tout ça. Parce que, ou pas qu'à dire un président qui est élu, râler comme mettons l'autre, et puis pour que l'élection pas faite. Ça, si le mandat est arrivé à terme, il faudra divorcer. Sans la possibilité d'organiser de nouvelles élections. Le 7 février. À quoi 2022, mon frère. Le 7 février 2022, le pays
tout entier a gagné pour capable témoin. Et c'est tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour la démocratie. Pour dire, bravo au respect des normes. Des normes que mon frère, mon ami, Maître Julien a parlé à. Parce que il faut nous faut nous casser. Il faut nous casser ce qui est là. Sinon, ah oui, ça, c'est une question fondamentale. Au niveau ça, nous d'accord, il n'est pas remplacé. Au niveau des mairies. Nous mettons agent intérimaire. Au nom de qui ça nous met agent intérimaire? Au nom de qui ça nous fini? Faut que nous mettons agent. C'est ça qui fait que nous parlons au maire. Faut gagner élection parce que nous avons un parlement qui gagne 10 sénateurs aujourd'hui. Faut que gagner élection qui fait pour capable qui n'a pas respecté là pour combler anarchie nous dans dictature. Faut gagner élection qui fait pour que nous combler vide qui gagne là. Les postes électifs c'est monde qui est élu qui a gagné pour occuper. C'est ça qui a fait. C'est ça qui est bon pour payer. Non, mais dans la caméra, il n'y a pas fait. Au nom de la loi, et c'est ça qui est le fait. Dans la caméra, il n'y a pas fait. Pendant décembre, nous. Oui, mais c'est ça qui est le fait. C'est ça qui est obligé de faire. Non, mais. Au nom de qui ça ouais. Non, mais il y a une structure provisoire qui est gérée dans l'intervalle. Oui, mais vous parlez de l'Omer. C'est ça qui fait que. Bon. Mais il y a. C'est ça qui est rempli. Il y a une tête mairie à remplir. Sinon, on a toujours un éternel recommencement, Péguy Jean, mon frère. Éternel recommencement qui va bon. Non, mais petit problème, sénateur. Est-ce que vous voulez montrer qu'on peut le faire pour les mairies, on ne peut pas le faire pour la présidence? Jamais. En fait. Jamais. Non, est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Jamais. Moi on peut le faire pour les mairies? Non. Parce que c'est ça qui fait pour mairie. Tu as des principes, moi, et c'est lui, moi-même, ma défense. Sous qui base, exécutif, élection. Sous mairie. Sous qui base? Parce que mandat yo fini. Mais voilà. Mais non. C'est ça la loi dit. Même nous, encore. Mandat au fini, 1-2-2 et 2-2-2, pas de guet en gain élection. Nous devons œuvrer pour qu'à la fin du mandat du président Jovenel Moïse, le 7 février 2022, il y ait un ou une citoyenne. Ou pas fin de procès 2022, moi, insister sur les. Non, pas attendez. Non, mais écoutez. Mais là, dit 22 mois. Ou pour aider, vous pouvez pas 21, vous s'échapper, etc. Jamais. Ah, ok. Jamais. Et me vient une émission, ça déjà. De manière la plus simple possible. Nous expliquer que nous n'avons pas besoin de perdre du temps faire débat sur ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de débat. Donc, nous n'avons pas perdre du temps sur ça. Je vais insister pour qu'à la fin du mandat du président de la République, pour que je ne sache pas qui est la pied. Dieu seul sait que je ne sais pas. C'est le monde qui a gagné pour aller élection qui est qui doit porteur de projet de société. Okay. Et puis pour qu'elle cherche à conquérir le choix. La confiance du peuple haïtien. Merci, merci. Permettez-moi de faire ouverture là avec syndicaliste Télémac Pierre qui voulait faire état d'un incident qui arrivait dans l'entreprise côté Tégan Pilouvrier Cap Travail. Télémac Pierre qui sont syndicalistes. Télémac Pierre ou en direct dans le moment vérité. Bonsoir Péki, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le panel et bonsoir à tout le monde et au moment vérité. Et c'était ma thème, c'est porte-parole et MBO, et un syndicat de Mimi Bataille Ouvrier. Et nous, c'était vrai, c'est une intervention dans le moment vérité matin, c'est pour que nous dénoncions à toute force, nous, la grosse brutalité la police fait dans la commune Carrefour, particulièrement dans le tour 65 dans l'usine et par la parole qu'a Alain Villa. Et force 10, c'est une situation qui commence depuis le 20. Et 20 juillet qui se passe là, parce que ça doit arriver, qui était un ouvrier qui a travaillé, non pas l'appareil, et qui était apporté un bébé 6 mois, qui était arrivé mourir, faute de soins que l'hôpital, centre hospitalier de Carrefour, pas de Bali, et depuis là, ouvrier, il a un gros combat pour voir comment il est capable de faire respecter les droits qui ont gagné. Et là, nous considérons, et Sandra René, c'est un monde qui a travaillé, qui est. Et plus passer 10 ans à travailler dans l'entreprise là, et que vous voyez au sentier consterné de votre situation, une situation de révolte, ça fait environ 2 semaines depuis que nous combat sans relâche, et que hier, il y a un certain César, c'est un policier, et nous ne connaissons pas un policier qui a gagné des jobs, il a fait un job privé, un job public, et qui est toujours en uniforme en dedans par la barrelle, qui soit dans le chef de sécurité par la barrelle. Hier, il y a un bac-up pays qui m'a pris qu'il est
qui immatriculé 100681, qui c'est dans commune et on va comme commune commissariat Carrefour, qui vini qui bastonné et cassé tête pour ensemble de plus passé 5 ouvriers. Et sans compter mon qui foulé parce que y'a eu un pile avec moi. Alors, ça qui passe, qui ça qui précède l'intervention? T'es gagné en sorte de mouvement de protestation? Ça qui est depuis 2 semaines après la mort de la Winnie, ou puis eux, dans la protestation, ils n'ont pas de travail. Et tout de suite après que hier, les OIV allaient dans l'usine, non? Et puisque y'a eu une lumière sur eux, ils n'ont pas balancé le coup, ils ont été dans le noir. Vous pouvez ressentir que vous puissiez vous magasiner dans l'espace là parce qu'il y a fait des revendications et puis vous ne pas l'ouvrir de l'Elkoa. Et tout de suite, vous prenez la rue. Combien il par l'appareil, les sous des sites, un site de Guigny et un site d'Anton 65. Kounia, vous allez à Gagnon et vous redescendez dans l'Anton. Là, vous redescendez dans l'Anton et vous avez une barrière à fermer. Et tout de suite, c'est César qui cherche sécurité. Qui c'est un policier qui cherche sécurité par la parole là. Donc ça, nous sommes campés sur des territoires là, Oui, il faut qu'on pas ta bouger, on conclut rapidement. Qui à la main et que nous-mêmes n'avons pas dit, n'a poté le général Bon, communication passée mal. Vous parlez de plainte que n'a poté, probablement parler de plainte dans l'inspection générale lundi. Oui, n'a poté l'inspection générale. Pour mais qui comportement que protestataires ont gagné? Est-ce que comportement était violent? Est-ce que vous mis en danger matériel, institution? Comment ça t'est fait? Et... pas du tout, parce que nous, depuis 2 semaines, nous avons parlé avec vous, à mettre aux prises, et nous dire qu'on pas fait violence. Et depuis 2 semaines, c'est pas vrai, c'est hier, vous avez fait violence. Et vous voyez, c'est un bon comportement depuis protestation, et on pas craser rien, et on pas. Gaz mais mon lumière dans l'espace isigno parce que c'est côté à travail, on va briser. Et c'est vous d'abord besoin ça nous-mêmes. Là nous garder gros bastonnage qui fait yo. Et là nous considérer plus passer 18 millions de gouttes qui est dans une entreprise et on cotise sur vous et on va déposer dans l'appartement. Et non on a passé 10 millions de et on cotise par contre l'argent qu'on a déposé. Oui, c'est ça à ce côté spatial. Parce que c'est pas seulement pas qui n'a pas de station. Qui est ça qui n'a pas de station? Et qui est ce qui n'a qui consent qui est concerné qui est au de protestation? Et je dis à nous comprenons très mal lorsque la police débarque sans motif dans un espace côté ces ouvriers qui est inviolable et que le bastonné ouvrier casse tête dans façon ça. Et nous-mêmes, c'est ça que nous dit. C'est parce que la direction du travail, il va faire lui. Il y a directeur et général ministre des Affaires sociales qui a parlé de la rafle propagande. Mais il va jamais prendre en compte tout ce travail. Comme les cousines qui les mettent dans la direction du travail, c'est eux qui ont fait battre et bastonner, prendre l'argent, et on va en faire un rapport. Et je ne comprends pas comment M. Rivoire qui a parlé pour regarder dans une radio et puis il pensait avec tous ces ouvriers qui ont la balle. Je pense que c'est quoi qu'il révise les batteries, lui, même quand ils sont des gens qui ont le longtemps, je ne comprends pas comment ils vivent aujourd'hui. Il y a une situation ouvrière là. Il y a révoqué Mounio, il y a bastonné et il y a mouni. Je ne dis pas pour faute de soins qui ont fait mal. Lui, c'est un monde qui représente un carrosse qui est là pour faire Mounio faire des bio. Et puis au travail, ça va faire Mounio pour mourir. Toi, Mounio mourir. Parce que on fait ma baba soin, parce que l'entreprise là, on va déposer, et puis là, puis nous voulons gagner, libérer l'élection, libérer l'élection, vous êtes qui ça? Bon, vous savez, c'est ça que vous êtes payé dans la situation côté de l'Irosia. Quand c'est les révoltants, et c'est sinon, excusez-moi, sinon, on vous dit. Bien, merci, Télémon. Merci. Bien. Effectivement, comme numéro 2 ministère des Affaires sociales et travail, ou qu'il y a une réaction sur l'incident. Pas exactement. Non, c'est un incident qui arrive à Carrefour là, puisque c'est des ouvriers qui sont victimes. Non, je témoin, je connais, seul bagaille en composition du principe. Il faut que le ministère des Affaires sociales aille enquêter pour qu'on ait de quoi il en est. Oui, c'est. Parce que quand même, le ministère des Affaires sociales a travail. Donc, couloir, les canaux normaux.
que vous devez utiliser pour doléance, revendication privée, ce monsieur qui sont intervenus là, il connaît ça. Ça veut dire que. Donc, ça veut dire que ça qui est pour fait, a toujours fait comme d'habitude. Je ne vais pas pour mal faire commentaire plus que ça. Donc, il y a des couloirs normaux. Oui, mais naturellement, le ministère a un pouvoir d'enquêter tout. Des bien informations portées à l'opinion publique. Donc, oui, et le ministère est concerné. Le ministère peut justement, si on incite d'en criver quelque part, Peggy, d'accord? Au niveau, par exemple, de la Sonapi, dans le parc industriel, eh bien, incident, il y a un rapport, et puis pour disposition qui lui est prêt, il prend. D'accord? C'est ça. Mais Julien, comment est la question électorale? Naturellement, son démission en bloc au niveau de l'institution électorale. Il y a un représentant secteur droits humains qui a démissionné. Il y a une information qui a dit représentant secteur protestant pour emboîter le pas. Mais c'est ton démission collective. Et je dis, il y a naturellement, depuis quelques jours, il y a de nouvelles consultations. La présidence engagée dans l'objectif pour remettre CEPA sous pied dans la perspective prochaine élection. Yo. Bon, comme analyste politique, comme juriste, tout m'en vimando qui lecture par rapport à la question. Ou pas un mot? Hein, pardon? Et oui. Un ou plutôt dit juriste. Ok, n'apprends comme ça. Parce que c'est politique. Yo. Non, vous êtes chef de parti tout. L'action démocratique pour bâtir Haïti. Même pas ma psyen, plus sienne, en René Julien, citoyen engagé. Et, on parle de conseil électoral. Qui conseille vous parler? Qui conseille vous parler? Parce que la constitution, le conseil électoral, il y a, faut j'en paraître. Moi-même, je ne peux pas faire peut-être moins ça, je ne peux pas faire payer ça pour me parler de bagaille qui pas exister. Et c'est ça, je parle de l'anarchie. Parce que tout problème où est gagné, qui faut, Léon président, n'a pas parlé à lui, il y a un argument. Il y a un argument pour le défendre. C'est parce que tout le monde est en dehors de la loi. C'est parce que ni opposition ni pouvoir, ils sont en dehors de la loi. C'est-à-dire que tout le monde est en argument. Même par exemple, dit comme ça. Peggy, les maps tendent, n'est pas parler d'accord politique dans le pays ici. C'est malhonnête. C'est méchanceté tout. On ne fait pas ça à un peuple. On ne peut pas qu'à goumer une constitution qui parle d'un conseil électoral permanent, pas jamais existé. On ne peut pas qu'à goumer une constitution, qui parle d'un conseil constitutionnel qui pas existé. Et puis pour les galères, pour parler de accord politique. Et c'est accord politique, ça, qui mène nous tout côté nous là. Accord politique, ça, l'Ivini, il prend deux, trois nègres, d'ailleurs, qui étaient dans le pouvoir, dans l'opposition, et comme ça, bagaille là, c'est accord, désaccord, accord, désaccord, dans le sens Mabdou que la loi va respecter. Ça veut dire, je dis, regardez le profil opposition, regardez le profil pouvoir, c'est. Rile m'a répondu. Et ça fait, tout a fait débat. Regardez, on parle de conseil électoral pour dire ma corps politique. D'accord, oui. Bah, de toute façon, il faut que nous ayons un jour pour nous rentrer dans l'ordre constitutionnel. Merci. Mais, on peut rentrer dans l'ordre constitutionnel pour ces mêmes mouns, majorité là de plonger pays là, et puis c'est eux-mêmes qui parlent entre eux. À quoi parle faire entre eux? Et les jeunes par la donne. Conseil des mouns qui parlent la donne. Il n'y a pas fait comme ça. Ou au coup, il prend le vent. Et puis tout le monde fait tipil. Tout le monde va et puis a parlé d'accord politique. Mais ça nerve même de parler d'accord politique dans un pays qui a une constitution qui a 34 ans. Pour parler d'accord politique et pour ne pas mettre un bémol. Pour montrer tout ça nous passer déjà. On a 33 ans. Qui ça fait un pas jamais marché? Parce que depuis où est-ce que j'ai déparé. Premièrement, m'attendre un diagnostic, m'attendre un diagnostic de situation 33 ans nous fait avec accord politique ça, pas jamais le conseil électoral mettre sous pied, et puis laisser ça pour nous voir comment nous prenons pour nous stopper ça qui est là. Aller d'accord en accord politique, moi-même, je suis un bagage qui passe. Et vous avez toujours écarté. Il y a un bagage qui n'a pas le fait. Il y a mon Seigneur là dans toute bagarre, mon Seigneur Rancho.
Yo relèm et puis yo fait toute qualité bagaille pour me parler là. Elle un choix. Et pas là côté sénateur et voté pour le ministre communication. Oui. Elle un choix. Fait toute bagaille pour parler. Et puis l'homme va regarder. Non, elle un choix apparemment t'es assez large. Oui. Non, moi c'est l'église catholique de ministre lui, de ceci de cela. On ne fait pas ça à un peuple mes amis. Nous pas qu'à faire pays à ça. Et là m'dou chaque monde qu'a entré nous bailler qui tient intérêt personnel lui. René Julien, son gars est parti et grand pilote gars est parti. Oui, mais nous explicite autour de la question électorale, M. Julien. La question que Peggy, j'ai abordé là, nous avons résumé en deux points. Je dis aujourd'hui, de qui conseil électoral n'a pas parlé, de qui rapport politique n'a pas parlé. Parce que la constitution a 34 ou 33 ans depuis le fait, l'âge du Christ, qui s'est passé aujourd'hui, nous n'avons pas un conseil électoral permanent. Quand les fins pour pouvoir, tout les fins pour pouvoir, ils entrent dans le pouvoir, ils ont ceci, ils ont député, ils ont sénateur, ils ont ceci, ils ont cela, tout le monde complice dans sa gueule là, tout le monde impliqué dans sa gueule là, dans le monde qui est passé dans le pouvoir. Quand il y a six bagages qui va le faire sérieux, en chita nous font analyse. On entre des figures nouvelles. Des mouns pays, il n'y a pas jamais connu ça, le pense soit rien. C'est un écrit et tel gardé ou c'est même petit coquin au capitaine. Alors, Maître Julien, quitte ce 7 février 2021, quitte ce 7 février 2022, c'est pratiquement demain. Demain, à qui ça, vers qui ça n'a pas acheminé? Nous, là, on a gardé durcissement position, yo, les acteurs qui n'arrivent pas à s'entendre autour du bien collectif, si vous pouvez parler comme ça. À qui ça? Les acteurs. Les acteurs qui n'arrivent pas à s'entendre. Entendre sous qui ça? Autour du bien collectif. Bien collectif, la constitution est définie. Bien collectif, là, c'est PIA. Il est bien défini, la constitution. Oui, bien oui, dit qu'on parle oui. là-dedans. Je dis à qui ça me parle, dit là. Alors, tout le monde qui a goûté là, tout a raison dans ce système. Là. Dans ce sens, ça fonctionne là, tout le monde a raison. D'ailleurs, chaque monde a raison l'évoquer. Pouvoir a raison l'évoquer, opposition a raison l'évoquer, mais on a mis de côté la raison du droit. La raison constitutionnelle, ni de côté. Et puis, l'homme temps de Mounouta dit qu'à viser, qui pas méchant, non? Qui a dit, oui, si pas un accord politique, pas qu'à un conseil électoral. C'est la constitution qui dit, pour un conseil électoral, il faut qu'il y ait un accord politique. Sous dit que. Laisse la fanale dans l'étymologie. Fanale dans garder qui mode de procédure. Il n'y a pas de précédent en matière politique. Non, je veux dire qu'il faut aller dans la constitution pour. Comment pour choisir? Parce que le modèle que nous avons choisi là, ce n'est pas nécessairement un modèle constitutionnel. Yo. Non. Non mais... Ça veut dire différents acteurs qui forment CEP passé, dernier tout CEP passé, ce n'est pas un modèle que la Constitution 87 là est nécessairement proposé. Ni en partie, tu es respecté, mais pas totalement. C'est peut-être ça qui bat une nécessité de l'accord politique. Là. L'appliquer à la lettre et dans tout. Bon. Pas que petit morceau ça, mettez là. Même beaucoup de gens me posent une question, ça. C'est 2022 ou 2021? L'écrit à n'importe. Laissez pas là, la loi, c'est pas non, ne va qu'à n'importe. Non, 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 eh bien oui. Parce que non, pas, ça, je m'adresse à vous comme chercheur, juriste. L'écrit à n'importe. Il y a la raison d'une certaine opposition et il y a la raison du pouvoir. Moment, raison du pouvoir, lui-même, lui dit c'est 4 ans, c'est 5 ans, même pouvoir ça, il n'y a pas gagné. Ou pas le même mec là, il n'y a pas gagné un conseil municipal, il n'y a pas gagné un parlement, et puis il joue pour lui. Je me dis ça, je me dis pas personnel qui a fait là. Oui, là, ça, c'est le pouvoir, la loi, c'est le pouvoir, et puis il a discuté dans lui-même. Ou même qui baise à l'entrée dans le pouvoir pour faire des ordres. Ou un point de vue. L'ordre des points de vue, si on n'est pas constitutionnel, qui sont dit René Julien, vous le dites. Et on dit, ah, c'est la raison du plus fort. C'est ça. et va la raison du droit, non? Alors excusez-moi que je vous donne une information. C'est un jeune qui est Mathieu Kerby. Et monsieur, depuis samedi 1er août qui passait là, il a cherché, il n'y a pas de jeune lit. Il y aurait l'île, il n'y a pas jamais de jeune lit. Il y a allé dans la morgue, il y a allé à l'hôpital, il n'y a pas de jeune lit. Et il vient dans la radio pour demander n'importe qui monde qui t'a remarqué jeune ça Kerby Mathieu et même pour t'arrêter dans 44 27 47 48 et c'est numéro Tifreli et puis il gon numéro seul tout c'est 48 45 74 20 donc c'est Kerby Mathieu qui quittait Kaili depuis samedi 1er août donc ça fait 8 jours jusqu'à présent yo pas jamais wel il pas retourné quitte morgue yo visité quitte l'hôpital yo pas jamais rien trace jeune garçon ça. Ici, elle est venue. Donc, non, il quittait Kaili.
il quitte Kaeli. Alors, tu as demandé mon précision, si, ou bien jeune, tu as rentré frère, là, tu as dit deux mots. Et parce que quand même, son jeune garçon, moi qui fait en 1988, monsieur fait petit trou de nip. 1988, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est malheureux. Alors, Peggy, mais ça m'a 8 jours après, vous rejoignez. On structure de mon avisé qui n'a pas intérêt privilégié. Après votre parole, Fanny, qui n'a pas intérêt privilégié. Pour nos chichas. C'est ça. Est-ce que nous avons la possibilité de faire dire deux mots, ne serait-ce que. Pour nous faire une analyse de la situation, qui s'est mené nous dans tout le bagage, et puis ça, si nous avons un accord qui prend pour nous accepter, que son dernier accord qui prend pour le pays à entrer dans l'ordre constitutionnel. C'est ça. Madame, c'est comme on relève, c'est qui sa problème là? Moi, c'est Anne Kiria. Moi, c'est cousin Kirby, Mathieu. Kirby sorti de vivre et dit soir. Nous parlons, je dis à faire 8 jours que nous parlons. Nous parlons, nous cherchons la morgue, l'hôpital, nous ne pouvons pas trouver. Donc, c'est comment elle est sortie? Est-ce qu'elle est en dispute avec l'autre monde? Non. Comment elle vit? Est-ce qu'elle est en conflit avec la Kaeli? Ou bien est-ce qu'elle est en contact avec l'autre monde? Comment? Non, elle n'est pas un jeune qui est arrogant, mais simplement, elle est toujours à faire plaisir avec Zamé, boire bien, jouer ensemble avec ses amis. Elle est balayante dans la zone qui est les petits députés. C'est qui zone? Deux frères, oui, Saint-Vigentil. En route, deux frères. Donc, depuis là, il n'est pas rentré, monsieur, c'est étudiant qui s'allie? Oui, c'est étudiant, il faut qu'on termine l'étude. Ok, donc, message là, c'est? Pour y aider, nous chercher lui. Si on monte à retrouver lui, il est dans le numéro, ça y est pour nous. 44, 27, 47, 48, et puis gagner 48, 45, 74, 20. Oui. Eh bien, merci en pile, nous souhaitons oui. Bonne chance que nous retrouvions jeune. Bon, aider comme il y a, quand même. On dit à vous merci. C'est ça. Merci, c'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas. Oui, famille Lavalas, la question électorale. Moi-même, je pense que M. Julien, c'est approche une approche strictement juridique. Côté que l'irrité figé dans la loi, un problème. Mais il y a une situation de fait. Situation qu'il a, pour gagner un pouvoir. Un régime qui n'est pas arrivé à faire élection, il n'a pas fait aucune élection. Et là, nous sommes côté de M. Martelly que un monde qui est dans ce KEPA dit lui-même résultat ça qui mettait Michel Martelly dans la position de l'IA, c'est pas le visage de gagner. Je vais vous dire, ils sont responsables dans le KEPA. Maintenant, là, nous arrivons dans le KEPA, qui était venu là, qui était côté que. Qui t'a pas permettre à ce que l'élection vous faites là. Tout le monde dit élection ou pas bon. Et de fait, la société te conteste l'élection. Et sans nous pas oublier, quantité de monde qui te participé dans l'élection, et c'est ça veut dire que vous arrivez avec un président illégitime. Maintenant, l'organisation politique famille Lavalas, et sans nous pas oublier le rapport Fièvre là, qui clairement dit élection ou pas bon. Maintenant, l'organisation politique Famille Lavalas, tu clairement dit, ça qui t'est organisé pour permettre à ce que inculpé Jovenel Moïse dans le palais national là, c'est un coup d'État électoral. Et ça devine fait que nous ne pas reconnaître inculpé Jovenel Moïse comme président, nous ne pas jamais reconnaître comme président. Maintenant, si tout le monde d'accord, et Peggy, bon, même personnellement, on connaît qui genre élection été faite et qui manœuvre qui était faite pour te mettre inculpé Jovenel Moïse dans le palais national. Sola, compagnie téléphonique, etc. Tout bazar est rangé pour organiser un coup d'état électoral. Maintenant, si un monde qui n'est pas sorti dans l'élection, parce que son coup d'état électoral qui fait au métier la banane. Alors, je ne suis pas vraiment connu parce que je n'ai pas une enquête sur ça, je n'ai pas une expertise en la matière non plus. Ça fait pas vraiment. Mais, le monde qui connaît, qu'on en connaît. Très bien. Maintenant, si inculpé Jovenel Moïse qui passe autant l'élection et pas rien que fait pour que personnel politique la renouvelé et Julien souhaite évoquer ça là, pas d'élection qui fait pour municipalité, pas d'élection qui fait pour renouveler
et premier tiers, deuxième tiers et Sénat. Pas une élection qui fait pour député. Rien, absolument rien. Qu'on y a? Comment on arrive dans une situation? En dépit de toute crise, nous avons là, quoi crise économique aiguë que nous avons là, mais aujourd'hui, nous avons aussi une crise constitutionnelle. Eh bien, ça, M. Julien a demandé, c'est ça, peuple a demandé tout. Peuple a demandé, système ça, qui va nous moi de l'État, ça, qui fait que la loi va appliquer, il faut le changer. Eh bien, pour le système de changer, c'est des gens qui sont conscients, c'est des gens qui sont capables, c'est des gens qui ont conviction, c'est des gens honnêtes, crédibles, qui vont changer. Est-ce que vous avez vu le monde dans le régime criminel de la Tchèque, non? Vous avez vu là-dedans, non? Vous avez vu là-dedans. Dans nos résultats au bail là. Bon, comment comprendre? Un peuple a demandé reddition de côté sur l'argent et puis pour un régime là voyez chercher le à l'étranger. C'est moi ça, moi je pas chercher, moi bagage ça. Bagage ça sont bagage qui doit parler jusqu'à ce que nous pas exister comme monde. Pour voir chercher des monde à l'étranger pour venir fusiller dans tête parce que tout simplement a dit au gang. Et puis leur coopération qui mène à arrêter yo. Vous prenez les gens qui ont tout doucement ouvert la caille. Et puis, côté moun qui mourent. Et les gens qui mourent. Mais écoutez, on ne peut pas faire ça. Il faut qu'il y ait des gens qui rendent compte. Paye à bon savon. Il faut qu'il y ait des gens qui rendent compte. Ou comment on fait jouer des soldats étrangers, des moun, bon, des mercenaires étrangers, qui ont quoi ça me fait pour nommer, qui, sous territoire national, là, et puis, ils ont un nick à la caille, ils ont dit, mes amis, chers blancs, et rentrez chez vous, etc. Mais ce n'est pas possible. Il n'est pas possible, nous ne pouvons pas faire payer comme ça. On a l'envie de vivre dans une situation côté où il y a toute insécurité. Ça. Insécurité routière. Si vous avez un stop accident, vous avez saisi des quantités de monde qui ont mouru dans un accident. Pas de route. Et insécurité foncière, diaspora victime là. Diaspora pas pa suspendre victime. A fait terre. Mais Julien a fait cadastre qui va jamais régulariser dans le pays. Ou prend insécurité alimentaire, je dis. Plus passer 50% de la population en grand groupe. Nous n'avons pas qu'à manger. Hein? Ajoutez à l'insécurité criminelle grandissante, ça là, que nous gagnons. Et, comment est-ce qui passe dans le pays? Je m'a demandé à la société pour ne pas oublier ça. Vous jouez 11 âmes, et c'est une raison qu'il faut ouvrir. Qu'il faut ouvrir. Bataille contre l'insécurité criminelle là, pas qu'à continuer. Moment. Dans le massacre qui est fait la saline, dans les âmes, vous jouez dans les bandits. Vous jouez dans les âmes, vous jouez. Le passé, mais ça gagne dans les âmes, non? Lorsque ben on a vos âmes, même si on n'a pas parlé, ça n'a pas parlé. C'est ça qui a fait les âmes. On parle de question d'empreinte. Non seulement empreinte, mais ça n'a pas de série sous lui. C'est-à-dire, série qui est sous âmes, il est déjà identifié depuis côté des âmes. Et même parcours, tout est côté des âmes passé, il y a joué. Ça veut dire, l'on a vos âmes, même si on n'a pas décidé de parler, ça n'a pas parlé. Oui, ces âmes n'ont pas été enregistrées. On y a. Au cas difficile pour qu'on détenteur là. Qui bam do bagage si zam nan pa tan enregistré ou a fait zam nan le monde c'est pas chouette pa gen zam ki pa enregistré il y a pas enregistré en Haïti mais zam nan enregistré on veut parler de attachement à un individu très bien c'est non, pas non même d'où même si ou pas joindre identité enregistré ici mais zam nan depuis ou zam nan te fabriqué à bon côté enregistré ça veut dire ça même d'où zam nan même si moun ki gen zam nan men la pa parler zam nan parler on y a comment comprendre la police mène en opération dans la saline. Zam saisi. Qui côté où je viens Zam n'a sorti? Zam n'a sorti. Zam n'a sorti n'a pas le national. Yo jouen 11 Zam, Jamaïque, qui n'a fait braquage, fait des zones, etc. Le on prend Zam, le dossier fait Zam n'a pas le national. Le nouveau risque. Mais qu'on y a, comment comprendre un pays capable de continuer nos situations comme ça? Mais qui sont en train de faire? Pas grand expert? Qu'on y a, est-ce que nous allons questionner pour là? Tout ça qui existe là comme difficulté dans le pays. Comment qu'on y a là où pas des mouns qui prennent des mouns la saline dans la situation où là pour aller voter? Qui prennent des mouns cité soleil dans la situation où là pour aller voter? Et par contre, il y a une information qui rejoint qui même identifié parce que ouais, ma balise sous toute réserve que j'ai des nègres dans la cité soleil que ça qui c'est caché. Des gens qui identifient exactement après national. Mais comme la police l'a dit. Il y a des opérations pour qu'effectivement, yo mettez en bas des chefs de gang, Napton, mais nous connaissons ces bobines. Parce que, écoutez bien, comment pour organiser ce politique familial, c'est pas le mandat de justice. Justice à qui est-ce?
Bon, d'ailleurs, mais pour mon relais dans la radio, là, quel que soit mon nom, que ou t'es madame ou policier, que ou t'es famille ou monde qui a 3000 gouttes de la banque qui est victime en babal, pour dire que t'es une justice. Pas que ça, je veux dire là. Ok, merci. Ça. Nous allons retourner sur ça, d'autant plus avec ordonnance de clôture, juge Emmanuel Vertiller, nous, au Cap Haïtien, dossier Café Trio. Et son ordonnance de clôture, son ordonnance de renvoi. Avant et après. Oui, oui, après, tout de suite après, on va faire. Et puis après ça, on va parler de dossier ça. Délégué départemental là, Antonio Jules, selon ordonnance juge là, il doit le juger dans le tribunal criminel. On va retourner sur ça. Ça, son citoyen, les Moïse Dubois, alors, son aveugle, qui dit il sorti au CAI, il sorti dans le département sud, en tout cas, depuis jeudi. Mais d'après ça, il dit, bon Dieu, t'as voué, et t'as balé un message. Bon, il dit, message là, c'est pour moi, etc. Et puis, il y a des gens qui ont besoin, ouais, tout, etc. Bon, si on est sorti juste dans le sud pour venir là, dans le moment de vérité, c'est que c'est un monde qui fait un pile effort. Monsieur Moïse Dubois, ou dans le moment de vérité, c'est Peggy Jean Mapsalio, et pour qui ça, au passé dans la radio. Oui, salut, tout panel radio. Quand je dis que c'est un signal, je salue M. Végui, je salue bon Dieu dans celle-là qui voit une mine là. Monsieur bon Dieu dans celle-là qui voit une mine là, c'est notre tête d'hymne dans la mine là déjà. C'est ça, son quatrième révélation. Et dans l'église, nous dormons. Nous dormons, nous regardons mon monde qui dit Moïse, Moïse, levez-vous à l'église, M. Végui, pour le bas, trois mounes ça, et trois mounes ça pour venir délivrer le pays d'Haïti. Je vais prendre ça pour tête. Il tourne, il va me dormir, me faire révélation encore. Les 10 soirs, je dormi, il dit, souvent, il va y avoir une nouvelle là, ça va être un petit peu. Il me dit, bon, j'ai dit, il faut me venir, il faut me tirer pour ici. Il me dit, comme ça, là où il va, il va me venir. Monsieur Peggy Poubarro, Steven Benoit, mais quand il vient avec un colonel, il vient me dire. Trois mounes ça, il m'a campé derrière pour résoudre le problème de l'Haïti. Donc, ou même, ils sont avec. Oui, ils sont avec moi. Donc, c'est qui que tu vas vivre dans le sud? Tu vas vivre au CAI? Je vais vivre au CAI, département Kalako, première session Kalako. Qui leur fait révélation? Je fais la trois fois, mais les diamants font révélation encore, c'est troisième révélation. Là, ils disent, si je ne vais pas venir, je vais me mettre ça à venir, je vais me mettre ça. Vous pouvez reprendre révélation pour nous, s'il vous plaît? Reprendre? Révélation. Oui. Je dis, je dormis, je garde moi, c'est un monde qui dit. Puis, on a prié. On est dans l'église, je dormis. Puis, il dit comme ça, allez, monsieur Peggy, pour Peggy, faire me avec trois mondes pour délivrer le pays d'Haïti. Non, tu connais déjà, ou bien on est dans des moments de vérité. Mais non, comment faire qu'on équipe Peggy aujourd'hui? Non, on met Peggy dans le moment de vérité, mais on condamne M. Peggy. Par après Peggy, quand on va à l'émission, pas grand vous comprenez? Déplacé dans le département, il dit, bon, pas même gagner pour me finir. Il dit, bon, je vais vous dire, bon, je vais vous dire. Donc, mission accomplie. Ça veut dire, vous venez, vous avez accès à Mikoa, vous exprimez, sortez ou dans la révélation. Donc, vous dites que c'est toi, Monsario, M. Camille Leblanc, colonel Rebu, sénateur Steven Benoît, c'est vous-même qui est capable de délivrer le pays, c'est ça, ou dans la révélation? C'est qui est-ce qui parle à vote dans la révélation? Bon, attends, pas cadeau. Si c'est bon Dieu, même nous, on parle de Dieu éternel, c'est bon Dieu, oui, parce que c'est l'évangile moi. Ok, c'est ça. Eh bien, il y a attendu et il y a besoin de message là. Oui, mais vraiment, ça a dit une deal là. Mais pas sur le micro, on t'a dit. Ni, là, ça, c'est vous-même comme journaliste captant mi-temps. Bon, de toute façon, on va quitter le numéro où, on va bailler toi, monsieur, ça au numéro où. Et au besoin, au capable de parce que y a pas dans le panel invité que je vous dis. Vous partez où l'autre monde dans la révélation? Peut-être. Non, c'est nous. Hein? Nous quatre là. Vous partez où monde, famille Lavalas, qui est Diogène, ou bien sénateur, il faut bien mettre Julien. Non, 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 c'est un bagaille. Je vais faire Jovenel ça. Jovenel est chargé. Oui, Jovenel. Jovenel, c'est le plus grand pays d'Haïti. Il touille plus de monde. Vous êtes criminel, plus gros criminel. Bon, c'est ça. Eh bien. Eh bien, et merci en pile, citoyen Moïse Dubois, qui c'est un monde aveugle, qui a vécu dans le sud, qui dit qu'ils font révélation.
nous sommes permettre de l'exprimer, mais selon ça, nous sommes tentés de le dire. Révélation, donc, son esprit qui vient demander au forum pour nous permettre ou prendre contact avec Mounsayo. Eh bien, je vous remercie en pile. Donc, je vais quitter le numéro de téléphone. Ou, et puis, ma baille, bon, je fais un signe que vous n'avez pas de téléphone. Et qui sort, qui sortez vous me faire, puisque Mounsayo n'est pas là, je dis. Si, je ne suis pas là, je dis. Je vais déjà faire mon 3 jours de vie, je ici. Mademoiselle Sala. Depuis jeudi, vous venez pour qu'ils soient venus depuis jeudi. C'est tout, même bail, là, je suis venu, je connais Radio AT, il fonctionne de tout temps. Et leur dit, non, c'est le samedi, là. On est à toi, je viens, me dit, bon, je suis on m'a rencontré avant parce que moi-même, c'est. Je demande où vous êtes, Peggy. Quand Peggy, vous m'avez tout ça, c'est quoi, vous avez fait pour vous faire mon amour. Vous voyez, mais qu'on y a 6 paroles, parce que moi, je m'en allais, je ne même pour m'aller, qu'on y a, pour m'aller, je m'en qu'on y a, c'est qu'à faire mon calé. On parle de moyens pour aller. Oui. Bon, ça lui, mais moi-même, peut-être, je vais résoudre ça pour vous, personnellement. Et donc, ok, eh bien, pas de problème, message dans le passé, donc, vous êtes capable de sortir. Et puis, l'homme fini, je n'ai pas de parler. Oui. Vous capable de quitter le studio, on n'a pas de accompagnateur là pour les capables pour en haut. Et puis, après, on n'a pas parlé. C'est ça. Bon, c'est ça. Bon. Oui. En tout cas, c'est ça, réalité. Il y a aujourd'hui tout type de demande. C'est ça. Alors, c'est. Non, c'est ou même qui te prépare oui, ou bien. Oui, c'est moi-même qui te demande la parole. Oh. Oh. Trois secondes. Il y a pas de 15 minutes. Oui. Après, elle dit que. Tu as fini pour me dire que. Et après tout constat, ça y est. Et puis, comment faire qu'on y ait aujourd'hui pour un monde allemand pour qu'effectivement. Et pour l'élection. Ouais. Avec un pays qui est armé jusqu'au dents. Et c'est pour me capable tout avec M. Julien. Et pour me dire que la préoccupation de l'Union, hein, c'est lui-même qui fait pas ici. Hein. C'est lui-même l'organisation politique familiale. Hein. Et c'est lui-même toute structure, organisation, toute organisation qui aujourd'hui a signé une note pour qu'effectivement, nous allons vers une transition et qui après les orienter à travers d'un gouvernement de la République. C'est à partir de là pour nous résoudre le problème. Ça. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de résoudre le problème là? Et parce que je veux dire, si on dit que nous avons campé des de la loi pour nous résoudre le problème là, mais faut avoir une capacité pour faire un back, faut faire et Jovenel Moïse faire élection. Et inculper Jovenel Moïse dans le Nord. Il prouvait effectivement que le pape organise l'élection. Parce que, il clairement dit que le pape a pris le pouvoir dans le monde. Ça veut dire que le fait que le mot prend, ça traduit que, effectivement, même si on a fait une mascarade, il n'y a pas élection parce que c'est bail à bail. Ok, on a joué un sénateur et vous. Non, pour finir, Mabdou. Pas d'élection avec le régime criminel BHTK, parce que d'accord à l'élection avec le régime criminel BHTK, c'est permettre à ce que la belle population vienne grand goût 15 fois, 20 fois plus, vienne dans le chômage 15 fois, 20 fois plus, vienne dans l'insécurité 15 fois, 20 fois, 25 fois, 30 plus. Nous ne pouvons pas mener le peuple à l'abattoir et quel que soit le monde aujourd'hui qui prend décision pour aller dans l'élection avec l'équipe de Jovenel Moïse, dans le peuple qui a élection, pour avoir une perception que tu as une élection avec l'équipe de Jovenel Moïse, peuple à mettre considéré Mounsa comme complice dans le massacre La Saline, comme complice dans le massacre Kafoufeu, comme complice dans le massacre Belé, comme complice dans le monde qui a mouru aujourd'hui avec balle dans la tête. N'importe monde qui aujourd'hui a tavelé avec le régime criminel PHTK, tabay perception que vous avez un ton KIP, mais peuple à mettre considéré secteur ça, Mounsa, comme complice de régime criminel PHTK, dans toute malversation. Merci, merci, c'est ça. Sénateur Rivo. Oui. Nous t'attendons avec un pile attention intervention Maître René Julien et dans la rigueur habituelle qui caractérise elle, où est que les fonds approche encore une fois qui était fidèle à principe que l'a cultivé, que l'a défendu depuis longtemps. Effectivement, constitution avec la loi, les lois de la République, c'est yo qui doit guide boussole et ça comme ta carilé le phare cap guider nous qui doit guider nous sous chemin démocratie dans pays nous tant que ça fait dans toute société démocratique
Maintenant, il y a une triste réalité, Maître Julien, que nous supposons adapter nous à lui. Sorti à tant de conseil électoral permanent, tant que ça prévoit dans la constitution pays, non? Qui t'a gagné pour organiser des élections de manière régulière pour renouveler le personnel politique. Mais, vieille habitude, les démons de Rachel Mayo, coup d'État, transition, l'obéir, aller comme un médecin. Mettez-nous dans une situation côté que toute la sainte journée, justement, c'est compromis, ou demander, c'est chita, ou attendez, ou demander, c'est dialogue, ou demander, pour capable, pour une énième fois, mettre sous pied structure ça, qui est important ça que les CEPA, qui toujours gagne un qualificatif et peut-être provisoire là, pour organiser l'élection. C'est une adaptation regrettable que nous obligés de faire, que lié, mais que nous obligés de faire, parce que de toute façon, il faut gagner l'élection, pas capable de gagner l'élection. L'autre bagage encore, l'autre fait politique, il faut gagner honnêteté intellectuelle. Dans la vie à lui-même, merci. Dans la vie à lui-même, il faut qu'on conscient l'on échoué. Il faut chercher cause échec. Cause qui fait que ou pas atteindre objectif. Li toujours pas élégant, li toujours malsain pour chercher des boucs émissaires. Alors que vraie cause échec ou ce sont les contradictions internes qui ont rongé structure bien parti politique ou là-dedans. Là. Vraie cause échec ou c'est parce que tu es un candidat qui n'a pas su drainer la majorité des électeurs. On va prendre une pause qu'on y a là. Moun que majorité, songez Peggy, devine nos émissions là, et plusieurs émissions, en direct à cette antenne. Songez d'autres invités qui étaient là. On fait plusieurs sondages pour demander moun qui est-ce, de manière, on est capable de dire impromptue, sans que moun, ou pas l'annoncer ça, en direct, qui est-ce que moun a voté dans l'élection, hein? On songeait ça. Sous près de 20 moun qui étaient élus, il y a près de 17 qui étaient dit c'est président Jovenel Moïse, il a voté. Alors, de façon, j'ai commenté en termes de pourcentage, mais on mais pour ça. Le moins, oui. Pour le moins, on songeait que. Et dans le monde qui t'a relé, tu as plus qui t'a parlé en faveur de Jovenel. Absolument. Ça veut dire qui ça? Pour la vérité. Ça veut dire qui ça? Je t'ai parlé, mais qui t'a parlé, donc je ne vais pas interrompre. Non, 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 non. Ça veut dire que. Ça veut dire qui ça? Hein? Ça veut dire l'élection était tout faite là? Ça veut dire que. Non, mais Peggy, puis quoi quitter le sénateur? Non, écoutez, non, 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 non. Il fait allusion à un bail qui t'est passé. Non, 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 non. Je confirme que ça t'est passé. Je rappelle ça. Sous qui t'es passé? Non, non, En termes de quantité, combien chaque monde te gagne, mais moi noté pour l'histoire que effectivement. Et pour la vérité. Dans le monde qui te parlé, tu gagnes plus de monde qui te parlé en faveur de Jovenel Moïse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je continue. Peggy, lorsque l'autre monde a parlé, mon a campé. Si l'homme a parlé, m'a intervenu tout. Si l'homme a 10 minutes, il n'y a rien pour vous. Peggy Jean. Réalité qui t'a parlé. Non, mais tout le monde qui a fait déduction sans dire. Tout le monde qui a fait. Tout le monde qui a fait. Non, non, non. Peggy Jean. Non, Peggy, je vais le faire de 15 minutes. 20 minutes à parler, tout le monde t'a dit. Attendez, ah non, non, non. C'est pour un péché. C'est moi qui a parlé. C'est moi qui a parlé. Non, 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 il pas qu'à faire comme ça. Attendez, attendez, attendez. Vous organisez l'élection là. Attendez, attendez. Opérateur là. C'est pour une petite. C'est moi qui ai la parole. Attendez, un petit moment. Un petit moment. Dis aux jeunes. Bonjour. Affaire, oui. Question communication. Question communication politique, perception, c'est pareil, moi, qu'on a. Moi, je vais parler de panique. C'est la question que moi, maîtrise. Panique, c'est le domaine, moi. Mais c'est une réalité que lié.
l'on dit A t'es passé, ça pas veut dire B t'es passé, c'est A qu'on dit que t'es passé. Ok, on peut toujours capitaliser. Ok, aiguiseur. Ça pas traduit. Aiguiseur. Non, mais t'as des biens. Tout le monde lucide qui a fait des dictions quotidiennes. Mais c'est pas moi qui vous faites. C'est pas moi qui vous faites. Ou même peut-être. Ou capable de dire. Ou capable de dire. Mais seulement confirmer que ça le dit A t'es passé. Aiguiseur. Non, là, mon problème. Entre vos élections, mon vote. Entre vos élections, mon vote. Sous-connaît, équipe de Jovenel Moïse, qui a toute capacité ça, qui a toute capacité ça pour gagner l'élection, on fait une élection, on nous voit. Ok, 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 ok. Sénateur Rivo. Pas de élection. Non, Diogène. On permet que Sénateur Rivo finisse. On reprend ses réunions. Ok. Certainement, c'est pas une élection. M'a signalé dans le signal là. Je fais 20 minutes à parler. Par contre, quel monde qui était rempli. Mais c'est bon parole qui a débité des absurdités. M'a parlé, attendez ça, m'a dit. Allez-y. Voilà. Allez-y, eh bien, ça veut dire quoi? Il est malhonnête et inélégant pour chercher des boucs émissaires pour expliquer échec. Alors, ce qu'il y a une évidence claire, il y a une pile contradiction qui t'a prolongé une série de structures, candidats que tu as choisi, malheureusement, il n'a pas réussi à drainer la majorité à elle. Et puis, ce qui s'est passé, c'est passé. Ça, c'est une. La deuxième chose. La caillou, et m'a dit là, je dis, il y a des mots qu'on doit bannir à jamais de notre jargon politique. Cette affaire d'irachement, yok, de transition, ne voulez pas, voulez, faut l'aller. C'est eux qui cancer qu'a prolongé pays d'Haïti. Cette affaire de faut aller comme pour mettre comme non. C'est eux qui sont gangrène. Et toute gangrène nous compte ça pegi, même là dans nous maintenant, sont pas amputé un membre qui gangréné la patente tout organisant et puis le tuyau il va aller. Nous devons avoir un autre discours politique pour que monde prenne nous au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des partenaires qui nous regardent, et qui vivent dans l'état comme il est de lassitude vis-à-vis de certains groupes qui ont fait politique dans le pays d'Haïti, qui peur élection, qui allergique à élection. Dès vous dites élection, il y a panique à bord. Alors que, je n'ai jamais dit famille Lavalas. Parce que moi-même, j'ai mis ma vie en danger pour défendre les principes sacrés de l'alternance démocratique. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Famille Lavalas, que moi-même, j'ai toujours connu qu'à défendre le principe d'alternance politique, élection, anti-coup d'État et à juste titre, et puis subitement qu'à parler pour Chaudière Chaviré. Ce n'est pas normal. Ça pas normal là. C'est un si le peuple a demandé pour système de changer, pour changer à Chavier, ça pas normal. Une entorse grave. C'est pour payer arrêter comme ça là. C'est une entorse grave. C'est pour payer arrêter comme ça là. Au principe que ce parti a toujours défendu. Qui ça lui? Il y a des gens qui sacrifient au volet. Ça veut dire qui ça? Maintenant. Ça veut dire qui ça? Troisième. Ah, c'est pour le peuple là continuer avec mon état ça. Troisième. C'est pour le peuple là continuer à mode l'état. L'état criminel ça. L'état sensi ça. Oh, oui. Troisième. C'est pour le système de changer. C'est pour le choix. Ça va gagner pour avec coup d'état, non? Troisième. Ça, c'est une revendication du peuple là. Troisième c'est point. C'est ça le peuple a mandé. Troisième point que nous avons fait. Ça veut dire quoi? La sérénité, le calme, le sérieux et le respect des principes. Il doit qu'on y a reprendre la main dans ce pays. On va faire toute la saine journée. D'accord. On va faire toute la saine journée. Toute la saine journée où je viens de mon depuis mon président qui est élu, qui sortit dans le suffrage universel. Pas jamais qui bon qui fait d'après groupuscule ça. Groupuscule aveugle et insensé, malhonnête dans ses approches. Qu'on ait une transition qui pape encore. Et puis, la vie est belle, tout est rose. Le bateau vogue sur les eaux calmes, d'accord, de la transition. Mais c'est une absurdité. Ce n'est pas acceptable. Alors que tout le monde, dans tout pays, qui adopte démocratie, qui pas, non, nous ne sommes pas
en Corée du Nord. Moment. Mais pas dans le régime côté que c'est un seul parti et puis pas encore. Même en Russie, on a vu ce qu'a fait Poutine. Côté que, oui, même les que Livlé régénérer tête li, il a eu quand même la décence de faire un référendum. Comme Joe Poutine, son grand, c'est un grand homme. Oui, oui, non, mais histoire, histoire contemporaine. Ils oui, oui. Grand, ils ont un plus grand président qui est dans le monde. Oui, oui, c'est un débat que Souverain Kafel. C'est pas le pas qui m'a oui. Non, mais je suis en train de t'expliquer. Il a eu la décence, quand même, de faire un référendum. Côté que. Il a été acclamé. Attendez, justement, le peuple russe, dans sa majorité, dit qu'il est capable, élu, il est capable jusqu'à 2036. D'accord? Et le parti Russie Unie, jusqu'à un moment, on n'a pas parlé là. Malgré toutes les soubresauts ici ou ailleurs en Russie, de quelques opposants, d'accord? C'est un parti majoritaire. Mais ouais, c'est l'alternance politique. Il était président le passé, Medvedev, il retournait, mais il y a eu quand même des élections en Russie. Son façon de dire ça. Un petit moment, sous question électorale. Oui. Il y en a un élément que l'opposition a avancé pour dire que le pape a l'élection avec pouvoir là, c'est l'insécurité. Quand il y a une question de G9, vous sentez qu'il a monté en puissance de plus en plus. En face de un terrorisme d'État. Et maintenant, c'est comment mener campagne. Est-ce qu'un citoyen qui a dit que il pourrait traverser Corfou, il pourrait aller dans le sud, ou bien il pourrait aller Matisse en mener campagne. Mais là, il revient aux autorités de calmer le jeu, d'apporter la sérénité aux citoyens dans logique élection. Premièrement, donc, est-ce que nous sommes capables dans le contexte? Premièrement, dernière partie, sorti là, il est correct. Autorité qui est pour responsabilité pour amener la sérénité. La sécurité dans les foyers et dans les cœurs. Pour ce n'est pas chef gang qui met élection. Les acteurs. Les acteurs politiques. Nos compatriotes de la société civile. C'est eux même qui créent G9 là. Doivent également. C'est l'État qui crée G9 là. Jouer leur partition. Comment ils jouent partition? Faut camper, alimenter, ça brille l'instabilité, l'orbeille, destruction, craser, briser, mettre du feu. Faut suspendre un vieux discours subversif. Côté que, encourager pour le tribunal, pour répondre à la question de la justice, pour gagner. Et plus passer 69 fois dans dilapidation qu'on peut au Caribe. Pays là. J'aime tendre ou mander pour que justice joigne pour plus passer 70 policiers qui mourent depuis son matériel et sous Jovenel. J'aime tendre ou mander justice pour moun massacre sali, massacre abogé. J'aime tendre ou mander ça. C'est ça. J'aime tendre ou mander ça. C'est un responsabilisé, un peuple qui prend responsabilité pour le bataille pour dire faut que condition la ville change. Faut que condition la ville change. C'est vos alliés, donc l'aime à parler bouille et puis l'aime, je vais parler même qui va parler. Non, ce n'est pas essentiel de parler là. Il faut prendre responsabilité comme moun pour dire mais qui ça que fait. Peuple là, c'est lui-même qui a responsabilité pour la justice. Peuple là, le peuple a pris la rue, faut que le peuple là fait légitime défense. Peuple là en face au régime criminel, peuple là en face au terrorisme d'État, Merci Diogène. Allez, on finit. On ne répond pas des inepties. Moi, j'ai toujours dit à ce micro que je suis un père. Je parle du syndrome du cafard. Et vous prouvez là tout que c'est le fameux syndrome du cafard. Le syndrome du cafard, ça veut dire quoi? Pas qu'à manger, m'a gâté. C'est ce que j'ai écrit. Et que je continuerai à écrire. J'ai écrit un éditorial, le syndrome du cafard. Et c'est ça pour nous quitter. C'est carapace ça qui empêchait que nous avancions, que m'a dit retirer sous dos nous. C'est virus ça m'a dit retirer dans ça nous. Si c'est encore possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Ça veut vous parler? Il gagne. Un peuple a continué à pocher là. Il gagne l'orbeille. Ça prouve que. Oui, à chaque fois que position ça. Ça prouve que tout le monde a mouru. Véritablement, régime criminel. Vous montez pas à la hauteur du débat. Parce que vous sont parlé.
Diogène, l'on a parlé ou après un temps des sorties. Soit il est à la hauteur. Ou pas à la hauteur parce qu'on t'a posé. C'est pour quitter, c'est pour quitter, on vient faire toute diversité. Pas à la hauteur de débat. C'est pour quitter, on vient manipuler. Oui, mais on attend. Non, pas que ça là, vous dire. Qui va passer là. Non, hein. Pas l'autre dit ça, pas dans ça, pas bon, pas capable dans ça. Qui va passer là. Bon job. Parce qu'on régime m'a fait une gaspille et puis pour que courage, pour culpabiliser mon la ça. Pour culpabiliser mon cité soleil parce que on prend la rue pour demander justice. Parce que on demande la on prend la rue pour demander rédition de compte. C'est malhonnête. Monsieur le modérateur. Nous parlons de la proposition. OK, moi c'est que on tige. On conclut ça. Non, on va conclure, on parler. Non, on a conclu sur ça. Oui, justement, on va pas sur ça. Non, on va pas plus sur ça. On va dire monsieur font camper, on peut parler. Non, non, non. Non là, et non, gestion, débat, lit et laisser prêter à équivoque. Parce que quand ce bonhomme débite ses insanités, j'observe un silence sépulcral. Pour m'entendre essayer chercher comprendre ça la petite les sottises qu'il débite les m'a parlé l'attendez l'a noté pour l'avancer bref on dit encore en Haïti bien content il n'y aura pas de sécurité sans face il n'y aura pas de diable manche sérieux non pas il n'y aura pas il n'y aura plus de transition en Haïti nous devons ramener débat pour le fait on l'autre gens il doit y avoir un débat contradictoire sur les idées sur les projets. Les projets de société. Mais qui sait que nous tous capotés dans la construction démocratie hein, pour que nous capables d'améliorer les conditions d'existence, compatriotes, capteurs de nous là. Mais cette affaire de toute la Sainte-Journée, pour passer des années, ou bien toute notre existence, pour faire émission, Peggy. Et puis, je dis autant de jours sans débarquer, la vie parler que faut Antoine à l'école pour le mettre col. Après ça, ou bien Adrien qui débarquait qui dit que Jocelyn, faut aller comme pour mettre col. Ça suffit, ce pays ne veut plus de ce mode de fonctionnement. On ne peut pas instaurer la dot, l'obéi, cancer, obéi pour transition, hein, comme mode de fonctionnement démocratique. Ce n'est pas normal et ça ne se fera pas. Okay. Et c'est ça qui fait que toute disposition apprend comme il se doit pour qu'il y ait un conseil électoral provisoire. Parce que de toute façon, et ça, j'insiste là-dessus. Comment nous pouvons le faire? La là, nous pouvons joindre des secteurs qui ne répondent pas. Mais c'est dans ça que nous pouvons arriver. Et puis pour que, bon, bon, c'est un exemple. Comment et puis pour que retourne en 2027, les mandats, l'autre président qui a venu après le président Jovenel Moïse. Fini. Et puis pour nous, on a même débat encore. Non, mais attendez bien. On va faire un constat avec la Fédération protestante l'autre semaine, si nous pas déjà écrit. Secteur syndical, là, on je vais répondre à cette question. Pas, mais on va joindre plusieurs secteurs, pas d'accord. Pendant ma parole avant là, par exemple, la presse, pendant ma parole avant là, après que vous gagnez, attendez là, après que vous gagnez ces compatriotes qui étaient dans CEPA, qui claquaient la porte avec fracas, qui sont attitude irresponsable, totalement irresponsable, de toute façon, ce vide droit tête et va être comblé. De toute façon, ce vide va être et droit tête et va être comblé. Quel que soit moyen. Ah mais écoutez, bonjour. Eh bien, c'est pour nous quitter et on peut y aller à la dérive. Non. Et ça, nous devons insister là-dessus. Comment bien l'élection, il faut que c'est un monde qui sortit dans l'élection. Mais pour qu'ils ne soient pas insistés pour remplacer le conseil municipal à président de Moïse aussi le 7 février 2022. Pour qu'ils ne soient pas aussi déterminant de remplacer prochain président. Et pour ça va dépenser toute énergie ça. C'est dans l'élection l'absentie. De toute façon, a gagné une structure qui mettait sous pied électorale pour organiser les élections dans ce pays. Mal calculé. Parce que il y en a marre. Il y en a marre. Et si la classe politique boude ces élections? Mais c'est cela a un air, c'est du déjà vu, du déjà entendu. Ou bien on frange dans la classe politique là. Et je souhaite de tout cœur que ça ne soit pas le cas pour un seul parti comme qu'on est. D'ailleurs, m'encourager pour ne pas entrer dans la diagonale de fou ça. Mais caractère représentatif, scrutin, à dépendre de parti qu'il a. Attention. Si les partis les plus connus, attention. Je parle, ça pose des problèmes. Le pire scénario. Le pire scénario et qui doit être évité à tout prix, c'est d'arriver dans un carrefour de confusion totale,
de chaos généralisé. Et puis que, pour venir dire que, bon, eh bien, mais au président Mandal fini 7 février 2022, et puis qu'on n'y a pas gagné l'autre monde pour qu'il ne passe. On doit éviter cela. Ça veut dire quoi? Abkeye Chita attendez, le pouvoir est en train de prendre des dispositions pour capable encourager, mander des secteurs représentatifs de la vie nationale. D'accord? Le secteur, et l'université, l'église, le secteur syndical, les organisations paysannes. Par exemple, il y a le secteur vaudou qui a déjà désigné un membre, ce qui est une très bonne chose. J'appelle d'autres secteurs à bégayer dans le sillage du secteur vaudou. Oui, mais qu'il y a même à tout doux ça, Peggy Jean. Parce que de toute façon, avant les élections et après, je reviendrai à ce micro pour me dire que, ouais, pas ouais, c'est élection qui a gagné. Pas de gain à faire des vieux mots comme si qui fait tellement de tort à ce pays, qui est une honte pour la République, pour notre pays. Haïti mérite mieux que cette turbulence politique à répétition qui fait que nous venons qui vient faire que nous venions qui vient faire nous car pas moi comme mais dans l'histoire récente il y a des montrés que nous avons salué nos amis dans l'autre salué nos amis qui des nos compatriotes qui au Chili aller en Amérique du Sud, mal au Brésil. Même d'où il y a des amis, les mal en France qui disent, mais oui, dis, mais comment expliquer toute la scène journée qu'on l'obéit ici? Pour qui ça fait n'est pas qu'attendre après yon son lot? Comme ça se fait dans toute société démocratique. Comme ça se fait. C'est pour le peuple là. Comme ça se fait. Et puis pour beaucoup de la ville, 124, 125, 130, Emmanuel Macron. Et puis c'est pour le peuple là, quoi, c'est pour l'abgarder. Emmanuel Macron est au pouvoir. Mais les autres partis, l'UDI, d'accord, le Rassemblement national de Marine Le Pen, ils sont très acides vis-à-vis du président de la République française, de la République française, ou du président de la République français, Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Emmanuel Macron. Ça veut dire que, pas permettre à ce que les contradictions, les débats contradictoires se font matin, midi, soir, comme ça se fait dans toute société civilisée. Ok. Mon pas j'entendais. Il y en a. Généralement, débat, c'est une idéologique. Osez monter. Ça qu'a parlé la cacophonie. Cacophonie. Élémentaire. Parce que Fanny a des sous-questions justice. Tous les partis politiques, c'est Joan Affaire là. Ils sont invités sur les plateaux de télévision, à la radio, ils ont échangé, ils n'ont pas les mêmes positions. Et puis, mais dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de la consolidation des acquis démocratiques, et non pas pour faire la promotion de l'absurde, de l'ubuesque. D'accord? Et de l'insensé. Ok. Côté que c'est ça. Saint-Denis, comme bon. Si monsieur qui l'aime, chapton, monsieur en bas paille parce que il a peur des élections, ou bien il n'a pas gagné suffisamment, il n'a pas un discours qui a drainé en majorité d'elle, et puis il a dit tant pris souple, c'est dans la transition. Ok, pour c'est pouvoir. Ça. Ok. Ce n'est pas normal. Élection, et ça, c'est ça. Ok, deux mots sur question justice. Alors, sénateur, comment ça va encore? Comment nous trouvons-nous au niveau du PHTK, le délégué départemental, hein, qui se représente en président dans le Nord, en ordonnance de clôture juge d'instruction, qui va être jugé au criminel pour crime. Là, nous faisons référence à dossier Café Trio, côté de deux sénateurs qui étaient non débat sur question Petro-Caribé. Cela vous dit quoi au niveau du pouvoir? Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans les locaux du Café Trio. Mais il y a eu mort d'homme. Et ce n'est pas normal. Il faut que nous suspendions compter cadavres, suspendions compter blessés. Il faut que nous suspendions une barricade qui fait que une femme enceinte qui mourir parce qu'elle n'a pas arrivé à l'hôpital. Il faut que nous suspendions un pays lock qui fait qu'au gagné il y a un docteur en médecine et d'autres citoyens lambda qui. Parce que yon maladie après l'hôpital, yon pas réussi à arriver, yon mouri dans route. C'est une honte pour notre pays et ce n'est pas normal. André était sur question justice. Oui, vous comprenez? Mais nous sommes là, oui, mon frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
pour être égal à moi-même et pour respecter les principes que je défends et auxquels je suis intimement attaché. Que la justice fait travail dans l'impartialité la plus totale. Moment. Dans le respect des normes. Par contre, ça qui passe, que justice en fait travail. Ça étonne même que Odio pas vraiment au courant non. De comment ça s'est passé. Non, non, parce que donc, premièrement, vous êtes du Nord, vous êtes du Grand Nord. Oui, deuxièmement, vous êtes un officiel du pouvoir. Oui. Et on fait politique. Oui, mais quand même, faut non, mais écoutez, il y a eu des choses qui ont été rapportées. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne saurais le dire. Parce que je me songeais que dans l'histoire tourmentée de ce pays, d'accord, que ce soit dans les années 2000, n'était guère l'orbeille. Même l'orbeille, où je n'ai monde qui était fabriquer des choses, des tas de choses, pour la guille sous dos l'autre monde. Le pays est habitué à ce genre de manœuvre. Il a dit ça, non? C'est ça qui fait que me dit il faut, sans passion politicienne aucune, que la justice, puisque une ordonnance de clôture, c'est pas ça, qui a été rendue sur ce dossier, très bien, que la justice fait outli. J'ajouterai seulement une chose. La justice doit faire travailler en bonne et due forme. Que pas gué abus, mais que justice soit rendue à moun qui doit jeune justice. Dont Jacques Dubois, qui a été tué lors de cette attaque. Dit, justement, voilà pourquoi il faut aller chercher ce qui s'est passé réellement, ça qui est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne saurais le dire. Non. Je n'ai pas été témoin oculaire ni auriculaire de ce qui s'est passé. J'entendais des tas de choses. Même je n'entends pas qu'être l'autre causé qui dit. Donc, il ne faut pas guérir abus. Mais il faut que justice rende à qui justice est due. C'est consommé et m'a toujours été prisonnier de ses principes. Du respect de la loi, du respect de la constitution et respect yon pour l'autre tout. C'est ça que pour faire que nous avançons, c'est ça que pour faire nous progresser. Bien, M. Julien, vous avez deux mots sur Wafdi sur question. Ordre public là, son bail sacrilé. C'est ça qu'il faut. L'État existe d'ailleurs. C'est pour respect l'autre ça. Depuis on a un pouvoir pour défendre l'individu, et bien l'ordre public là, l'autre pas quoi. Li manifester contre. Et, il y a des moments où il veut, Peggy, on a été mettre toute qualité baillou, on a toute qualité épée. Donc, Peggy voulait, et t'as qu'à dire, et faire respecter l'ordre public, ça, pas gagner carrément. Donc, il a fait, même si on a gagné une position par rapport avec un monde, un ministre, un président, ou bien n'importe qui monde, l'ordre public là, c'est pour garder. Et c'est dans même bagaille là, tout yodou, nul n'est censé ignorer la loi, yodou tout, pas grand monde qui est au-dessus de la loi. Donc c'est dans type de manifestation ça, vous pouvez, qui force la loi gagne, qui force justice gagne, même nos pays, tant qu'en Haïti, qui pas respecté bagaille ça. Déjà, famille Lavalas. Bon. Alors, sénateur Latour, tu ne peux pas parler sur ça, moi, il est le tombé à Joindy. Bon, il est convoqué à l'ULCC. Question prêt à l'ONA, etc. Bon, bon naturellement, ça, sont questions. ULCC. Mais même, on a fait justice ici. Parce que, bon, tu as souhaité que parents victimes, ont bien entendu une justice. Mais nous ne pouvons pas trop garantir ce qu'il y a. Parce que le système ça n'a pas garanti justice citoyenne. Ouais. Combien de monde qui mourent la saline? Combien de monde qui mourent cité soleil? Combien de monde qui sort la banque, qui sort 1000 gouttes, 2000 gouttes assassinés? Et combien de policiers qui mourent? Et un peu de monde mourent dans le pays. Et récemment, il y a deux jeunes et ils ont brûlé, ils ont joué dans le tabac là. Un peu de monde mourent, je dis. Et en d'un pays, mais qui ça fait du point de vue de justice pour moun sa yo? Pas grand fait. Pas grand fait. Maintenant, si nous arrivons dans une situation côté que pas gagner quel monde aujourd'hui, et la vie banalisée aujourd'hui en Haïti. Ouais, ou après une grande période, le monde mourir, ça a étonné le monde, ça a choqué le monde. Mais ouais,
garder réaction société par rapport à Timoun ça qui mouri et pas gang 400 maroze 4 mois. Ouais, c'est non, son réaction, son passivité presque c'est total. Oui. Mais est-ce qu'on pense mais écoutez bien. Non, la pègue qui a un problème, si... pas de passivité. Non. Oh. Il parlait que... de réaction de la population par rapport à sa crivée. En population. Oui, c'est justement ça. Okay. Okay. Mais en fait, Kassayo, c'est capté qu'a révolté conscience politique. Oui, oui. Non, mais il y a des commentaires, il y a des réactions. Gagner des approches. Non, mais non, c'est vraiment inacceptable. Ça, ça, c'est choquant. Notre société a la révolte. Oui, c'est choquant. Même quand tu petites citoyens. Oui, les choquants, les révoltants, et me dire, plein de monde dénoncer ça et dit que ça n'a pas continué. Naturellement, la police, la police, identifié. Au plus haut sommet de l'État, des instructions passées pour que vous croyez, vous enrayez. Cette mécanique est verbale. Bon. Et de toute façon, elle sera enrayée. Écoutez, il y a plus de bagages qui te parlé de ça déjà. Ouais. Soit faire insécurité criminelle quand 17 ans, il y a plus de bagages qui te parlé de ça déjà. Je ne sais pas que société a livré en parole, l'étendue, en porte-parole, la police dit, etc. Depuis qui date la police Peggy Jean. Depuis qui le policier mourut. L'autre bagage encore, pour nous insister sur lui. C'est 70 policiers qui mourent là. Est-ce que vous savez. Et pas mourir, non, c'est plus parce que 70 policiers qui assassinent, qui mourent, qui assassinent. Ouais, dans n'importe qui pays. N'importe qui pays. Côté que gagné, côté que c'est crise politique. Vous t'avez proposé d'aller. Je suis en train de. Vous montrez. Allez, viens, ok. Lorsque produit sont appuyés. Justement, pas de faire. Non, parce que. Tout qualificatif, vous tapez moi, vous tapez moi avec moi, avec moi. Ou pas doué. Tout va être tout. Tout va être tout. Vous devez camper. Non. Pas parler, l'homme, on n'a pas. Tout va être tout. Tout qualificatif. Et ma va prendre nous ça une bonne fois pour toutes. Tout qualificatif. Mais là, c'est une motion. Ma promotion. Non, ma promotion. Non, vous direz, tu as qu'à quoi démarrer. Je sollicite une motion. Mais pas celle-là de finir. Oui, non. Ah! Oui, oui. Mais, donc, donc là, monsieur lui-même a parlé. Pas, ou pas dire, ou pensez que vous avez parlé. Pour pas faire même sortir. Oui, mais là, ma parole, on va dire, ou pensez que vous avez parlé. Et c'est ça qui fait que vous avez toujours raison. Et pour toujours gagner raison, c'est pour quitter monsieur fin de parler. Joe Peggy, il faut apprendre, bloquer monsieur, l'entrée fait cacophonie, l'on a parlé. Ok. C'est l'on a parlé ou après me camper. Ok. Famille Lavalas. Exemple. Famille Lavalas. Prends exemple ça une bonne fois pour toi. Merci. Famille Lavalas. Famille Lavalas. Donc, ma bonne et puis après monsieur, ma pète est venue. Qui t'a parlé, mon cher ami? Ah, ouais, j'ai entendu. Famille Lavalas. Oui. Mais parler pour dire des choses sensées. Oui, depuis. Bon, nous tenons question de sécurité. Depuis, c'est pas le peuple, c'est pas l'essentiel. Ah, le peuple, c'est que le crime en commet en ton nom. Généralement, tout le monde qui n'a pas réussi à faire le diachéka, depuis où on va demander reddition contre la Jamaïque au Caraïbe. On va demander justice pour le peuple haïtien. On va demander justice pour le monde qui mourut, nous, c'est pas l'essentiel. Là, c'est la clé. Là, c'est la débat. Ça clé, ça clé. La déraison. Maintenant, nous ne pouvons pas demander le peuple haïtien pour le temps de justice. Non, mais on ne peut pas être le monde qui devant la justice. Est-ce que le Jovenel Moïse même dans le devant la justice? Parce que l'organ, l'orson monde qui fait usurpation de titre, il faut répondre à une question. Parce que pour demander, titre sur la tête ou quoi, qui l'est colouté pour lui? L'organ, on monde, non cité plus passé 69 fois nos rapports sous blanchiment l'argent. Mais au moins, il faut répondre à une question à la justice. Kuna, comment on peut le faire? On monte. Qui t'a doué? Non, c'est ça qu'on a dit. Non, c'est ça qui est censé. Fin d'année. Pas de problème, non? Si c'est ça qui est censé, pas de problème. Comment qu'on y a là? Quel que soit. On monte qui t'a doué après pour une question la justice. Côté absurde, ça me fait dire. Maintenant, ni fin deal. Pour le pour la justice. Auditoire là, prends mal, il y a patience pour t'en délocaliser. Causer. Eh, formule avant la spatule. L'auditoire, j'ai fait de prendre son mal en patience. Je connais ça, va faire mal. Je connais ça. Non, moi, mais c'est la vérité. Ah, mon cher. C'est la vérité, il faut accepter. Je ne vais pas le perdre, dit Amna. Comment qu'on y a là, on pourra le faire demander en population pour demander en catégorie moun qui y a même infesti l'argent peuple là, non, massacrer peuple encore. Rapport NDDH, clairement dit que. Ah ben, qui est blindé de caché là, yo, qui participe dans le massacre de Saline. Là, je t'arrête. Est-ce qu'on connaissait même soi-disant NDDH à ça? Maintenant. Non, motion. Maintenant. Ça veut dire que. Nous sommes le premier ministre a dit. Oui. Le premier ministre a dit qu'il y a mené une enquête. Oui. Sous parole qui dit que tu as des blindés de la police qui t'a participé dans la question. Oui, bam, zon, l'autre, bam, bam. Tu te conseilles SPN spécial sur dossier. Est-ce qu'on connaît. Ça veut dire que. Sous président Aristide. Ma tout douli là, Peggy. Motion. Est-ce qu'on connaît. Conseil de organisme qui soit disable défendre le monde.
mais c'est doit certains monde qui a défendre et puis quitter qu'on a fait toute vie accusation elle cherchait même cadavre dans les morts de ce pays pour mettre sous dos président Aristide. Moi-même qu'on campait pour me dénoncer ça. Pour me dire que j'ai de pratique ça, yo. Yo pas fait honneur à la République. Et yo pas fait honneur à soi-disant organisme qui dit à défendre. Moi, lorsque doit certains monde, certains groupes ou groupuscules qui a défendre. Ça veut dire quoi? Ou qu'on est très utile. Est-ce que maintenant. Non, attention. L'histoire se répète. Yo très utile. L'histoire se répète. Mathieu, pas si long. Oh Dieu merci, faut gagner. Mais il y a un petit bagage très important pour apprendre à faire. Faut que véritablement, il y a défendre le monde et doit tout le monde. Il y a des principes auxquels ils doivent s'attacher, qu'ils doivent respecter, que les prisonniers de haut. Et nous avons besoin de l'autre tout qui prend de la hauteur, qui élevé au-dessus des passions politiciennes. Cap ronger terrain, cap miner terrain politique. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Mais pas de problème, pas de problème. Parce que il y a plein de tiers fait pas yo. C'est pas à côté. Je veux dire c'est pas yo. Sous deux doigts moun soit 10 ans qui a défendu. Ah voilà merci, mais Julien. Merci pour rappeler ce que vous faites, sur des pratiques. On va se prendre mon frère qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, écoutez, non différence qui gagne. Il n'y a rien de nouveau. Pas de problème. Sous le soleil d'Haïti. Différence qui gagne entre soi, entre sa théorie pratique. Non. Malhonnête ça. Même bagaille là, mon cher. Avec ça qui fait dans la saline. Même petit bagaille. Non. Fait Paul de même, M. Julien. Ah ben si elle fait Paul. Parce que. Écoutez bien. Écoutez bien. Besoin de mon est-ce que vous avez la saline? Est-ce que vous avez sérieux? Digne de confiance. Est-ce que pas de massacre si t'es soleil vrai? Et non pas des mouns amoraux. Immoraux. C'est différent de presque. Cap défendre si a fait paillot. Monsieur. Sous le fallacieux prétexte. Cap défendre droit moun. Ils doivent être au-dessus des passions politiciennes. Jusqu'à présent, merci, merci. Pour défendre droit tout le monde. Aucun problème avec rappel. Et c'est ça m'a joindre. Cette pratique malhonnête. La caille. On sait de soi-disant organisme qui a défendu la monnaie. Monsieur, merci. Mais je dis, on est d'accord. Ce n'est pas organisation, mais. M'apprends ça. Qui est au même. DCPJ fait rapport sur le dossier la saline. Oui. Nations Unies fait tout. Oui, non, mais qui t'aime donc. Mais tous les massacres, tout le monde, tout le monde qui mourit, tout le monde bagaille. Il faut des rapports. Même dit que, m'a cap traverser, m'a cap vivre une situation côté que, soi-disant, et bien tout le monde, qui organise, il soi-disant défendre le monde, qui garde un mutisme suspect, troublant, complice. Waouh. Non, c'est le cas. Et bien après, c'est même monde qui a monté au créneau pour aller prendre à venir défendre le monde. À venir défendre, à dire, à dénoncer, non. Il faut dénoncer à chaque fois que c'est nécessaire. Et c'est doit tout le monde défendre. Monsieur, merci, permettez-moi. Et non pas doit certains monde. Permettez-moi de faire ouverture ça. Et tout ça participe dans qui ça se connaît. Dans cette même vieille pratique rétrograde de déstabiliser. Merci. Je dis, hier, c'était Aristide, aujourd'hui c'est Jovenel, et demain, le prochain président, c'est fameux organisme qui dit à défendre le monde, qui a parlé en face de tout. Merci, merci, monsieur. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, ça va de sortir dans la bouche famille. Parce que, je dis à la famille, ça a chaviré, et il boule bien tout le monde. Monsieur, merci. Y compris Pierrot. Merci, donc on est